On est de retour sur DayZ. Et regardez, c'est fluide, c'est beau. C'est le DayZ standalone. C'est pas DayZ comme quand on était retourné dessus il y a plus d'un an où on était sur un truc scénarisé. Là, on va juste jouer au jeu normal. Et on est en train de jouer à une version modée par une équipe de 8 personnes, dont 3 Français, où ils sont en train de réimplanter un peu tout ce qu'il y avait non seulement dans l'ancien DayZ mode Arma 2, mais aussi des nouveautés qui sont vachement cool. Donc techniquement, il y a une explosion qui vient d'avoir lieu à côté de moi. Techniquement, ça va être bien. Très bien. Ça aurait été Je bien sais que pas ce t'exploses au qui moment où tu dis. Donc c'est super. se passe. Voilà, plein de belles choses avec ce mode. Voilà, c'est DayZ expansion. Ils nous ont invités sur leur serveur, donc c'est gentil. Et Donc, on va merci, pouvoir. merci aux gars. Ah, Parce que vous là, voyez, c'est. par exemple, il fait jour d'un coup. Là, d'un coup, voilà, ça c'est. Donc, c'est un stress. Alors, mec, j'ai des méga frises que j'avais pas tout à l'heure. Pourtant, j'ai fait un test. Au début, normalement, t'es censé avoir des lags un petit peu le temps que ça charge, mais après, non. Oui, du Ok, coup, c'est un je. serveur, c'est un stress test qu'ils font aujourd'hui pour voir si les serveurs fonctionnent. Donc, il est possible que déjà il y ait des bugs, parce que le mode n'est pas fini, et qu'en plus il y ait des coupures de serveur, ou qu'il fasse jour d'un coup, ou autre surprise. Voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu sur le live de Bibix hier, c'était il y a des véhicules terrestres, des hélicos, des bateaux, la map qui a été un peu redesignée pour que ce soit un peu plus apocalyptique avec la végétation qui reprend le dessus, un système de trade, plein de petits trucs à la con, comme par exemple quand tu tires sur un bidon d'essence, maintenant ça explose, il y a les lance-roquettes. Enfin, apparemment, il y a plein de tout un tas de nouveautés qui auraient dû y avoir depuis longtemps hein, si l'autre con s'était pas parti de branler les couilles sur un yacht avec du champagne. Ah bah l'histoire Mais de DayZ, c'est quelque chose. heureusement qu'on a des modeurs qui ne sont absolument pas payés par Bohemia et qui travaillent mieux que 80 mecs dans un studio. Ouais. On a de la chance d'avoir ce projet, j'avoue. Et du Enfin, en coup, tout cas, les gens bah. qui jouent à DayZ ont de la chance. Je sais pas si ça nous fera revenir dessus, mais pour le coup, pour ceux qui attendaient ça depuis longtemps, hein, qui jouent beaucoup à DayZ, ça va leur faire plaisir. On rappelle que c'était il y a plus de 5 ans que maintenant que DayZ Standalone est sorti, hein. Et toujours pas foutu de mettre des véhicules. Alors, du coup, on va peut-être se faire TP l'un à côté de l'autre Ouais, ce serait peut-être une bonne idée. pour éviter de perdre du temps et parce que dans ces. Alors là, par On contre, il fait plus. est bien sur un serveur test là. Alors là, il y a un peu de brouillard qui s'est levé d'un coup. Alors, j'ai demandé au gars. Changing weather, please? For fuck's sake! Sans transition, ce soir, les changements climatiques drastiques, hein, on passe d'un soleil d'été à un gros brouillard d'hiver. Donc j'ai une précision très importante du mec qui a géré un peu notre arrivée là. Précision très importante, à n'importe quel moment on peut me demander de wipe une partie ou tout le serveur. Véhicule, stuff, sur la map, personnage, un mix de ça ou le tout. Attends, attends, quoi? Attends, redis-moi, c'est tu me lisais un truc que Groton t'a dit? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Groton? Il t'a dit Redis. qu'il pouvait wipe absolument tout à n'importe quel moment, si on lui demandait de le faire. Donc on est sur un stress test. D'ailleurs, on est trois là. Tu bouges là? Moi je bouge. Ok. Et Qui? ça, c'est peut-être Groton. Attends, Attends, je vais mesurer son pouls. ouais, prenons son pouls. Pouls rapide. Ah, Merci, c'est nerveux, Groton. nerveux devant le stream. Ah oui, ça doit être Ah, Groton. Bon, oh. C'est Groton qui fait un fuck et qui s'en va. C'est forcément lui. Bon, bah, Alors. allons-y, hein. Ce Groton, c'est la personne à qui appartient le serveur et qui aide les modeurs sur cette phase de stress test. Et du coup, Alors, c'est est-ce eux qui que ont rajouté c'était le aussi. stamina? Je crois que c'est eux qui ont rajouté le stamina, en Il y bas avait à du gauche. stamina avant. Il y a Je toujours eu du stamina. Ah suis non, vraiment t'as pas raison! sûr. Et Puisqu'avant, ça. on maintenait les trucs courir. Et moi, j'ai jamais été un grand fan du stamina, Du par stamina, exemple. moi non plus, surtout les Attends, survival qui je sont avec masquer différents le nombres de chat. maps. Ah oui, comment tu masques le chat? Dans Option. jeu, en bas. Ce sera plus clean. Message en jeu, désactivé. Hop, il fait beau. Ah. Merci. Si on fait pas gaffe au climat, c'est ce qui va se passer, hein. D'une seconde à l'autre. Paf! Paf, là vous êtes à Paris, il fait beau, paf, il pleut, et de la tempête. Oh mais attends, mais j'ai pas réussi à masquer les. C'est pas possible ça. Chat, message admin, Moi je message crois que c'est joueur. bon, juste ils sont pas masqués mais ils vont Ah disparaître petit à petit et pas revenir. bon, il continue de s'afficher là donc. Il faisait beau là! Putain Est-ce merde! que. Ça suffit! am going to do rain now for a test, don't touch. Ça suffit! Il y a une ville là mais c'est une petite.
Je sais pas du tout où on est. Faut Il y y a un aller. panneau là, écoute. Il y Les a un gens qui parlent russe pont. dans le chat là. Je suis sûr qu'on va arriver à traduire, qu'on va trouver. Ça va pas tant changer que Attends, ça. attends, ça me dit un truc. Oh, il y a un C'est mec pas là-bas. Tcherno à droite là? Ah non, c'est Viens toi. voir. C'est toi. Sur la route. C'est pas Tcherno, ça me dit un truc, le. Les Alors. lettres. Ça. Oh, ce serait bien Tchernogorsk. Tchernogorsk. Tcherno à Mais à droite? 4 km, donc c'est Ouais. pas la ville tout de suite. C'est genre à 4 km. Et là-bas, ce Direct. serait. Pour. Pop. Copric. Putain, Mais merde. Tchernogorsk, c'est à Attends, gauche. attends. Et j'aime T'as bien une Tcherno. grosse féminine là, ça me dit un truc. Bah, c'est un peu la meilleure ville. Tcherno, D'ailleurs, c'est de très belles très. d'ailleurs. Ah, c'est Tchernoville à droite? Tchernogorsk, quoi. Appelons-la Attends, Tchernoville. mais à part. Attends, on va à gauche ou à droite du coup? On va à gauche là. Hein. Non, ouais, on va là, ouais. C'est bon. Mais à gauche, c'est pas. C'est pas Tcherno. Ah bah c'est ce que lisait le panneau. Ah, tu lis le russe? Bon, en vrai. Ah, attends, il y a une map, il y a une map, il y a une map. Oh! On n'a Ouais. pas le nom par Et contre. est-ce qu'on voit même où on est ou... Ah, ça, ce serait incroyable, je pense pas. Attends, j'ai pas l'impression de pouvoir aller tout à gauche sur la map. Electrodavoisk, Ah non, c'est ça me normal. dit un truc. Il y a pas de côte à gauche. Et Yevdog, ça c'est Tcherno, ça, mais ça s'appelle Yevproropt. Moi, j'ai qu'un seul nom de ville qui apparaît. J'ai zoomé un peu pour Et l'avoir. c'est Tchernogorsk. Mais tu vois où t'es sur la map? Non, je me vois pas. Mais Ouais. par contre, je peux lire les noms des. Ah si, on peut voir où on est en comparant en fait. Là, on était en train d'aller à Bérézino, me dit le Ah chat. ouais, non, mais du coup, on n'est pas du tout. Alors, si. Ah ouais, non, mais on peut pas être là. Ah si, on est Coercuit. là, on est là, on est sur la côte est en fait. Horrible, on n'est pas au sud. Comment tu sais qu'on est là? Parce que j'ai regardé la côte est et il y a marqué mi. Donc en fait, on est complètement à Attends, mais où est-ce que l'est. je t'ai trouvé? Tout en haut à droite de la map. Enfin. Bob, 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 Tu bob, vois? bob, 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 Tu vois à bob, peu bob. près? Alors, Donc oui, bon, bah écoute, il y a des véhicules oui, maintenant. alors on est censé ne plus avoir de problème avec ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est le pire endroit de la map. Ah la vache, putain, là, tu sais, bon vieux temps, on se serait suicidé au d'un phare. Écoute, au moins on sera tranquille. Hein. Oui, c'est vrai. On va être Tu vois, tranquille, on va looter. j'aimerais bien. Ah, mais j'ai pas Discord affiché, je peux pas. J'aimerais bien savoir si Groton il pourrait nous dire où est-ce que les véhicules apparaissent, genre si on a des chances de les trouver dans les villes Ah, ou j'en ai s'il faut trouvé un. aller. Non. Attends, est-ce que C'est c'en est un? Groton qui l'a caché ici, c'est pas Regarde. possible. T'as vu où je suis allé? Et voilà, Mais. Pranked! Quel fils de Hop là. Ça fait du bien de streamer et d'avoir plus de 60 FPS. Ah, quel plaisir en plus sur DayZ, c'est très bizarre. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. Est-ce que le loot réapparaît régulièrement? Je sais pas, mais là pour l'instant, pas beaucoup. Ah, qui c'est qui a laissé Ah, ça là? une veste. Ouais, j'ai une Qui veste aussi. n'est pas mieux que la mienne en fait, donc. Elle est moche, moi, mais. Et elle est très. Comment on drop un objet? Il faut la mettre. Là, ok. Normalement, pour les véhicules, il n'y a pas besoin de le réparer ni de le remplir. Ouais, ça, Groton nous l'a dit, mais par contre, j'aurais dû penser à lui demander où est-ce qu'ils apparaissaient éventuellement. Et ça, c'est cabane? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu maintiens ta molette si tu veux zoomer, hein. Sur en jeu là? Ok. Ouais, Attends. ça zoom in-game. Attendez, c'est. Qu'est-ce que c'est comme type de vêtement là? Attendez, je comprends pas. Y a des zombies sur le jeu ou pas? Sur ce mode-là? Ok. Non, ça va être comme ça. Oui, j'en ai vu normalement. Ok. Je me demandais s'ils les avaient mis ou pas. Attends, j'entends. J'ai trouvé un très beau vêtement. Je suis très très beau. Attends, par contre, t'as oublié peut-être mais la version de DZ Standalone que c'était chiant, c'était de survivre parce qu'il fallait de la bouffe, des médicaments et tout. Et là, par exemple, je sais que je suis en train de. Oh, j'ai D'avoir soif. soif. Va falloir trouver Ah bah attends. un puits quelque J'ai une part. pomme. Et Et je croquer pense cette que. pomme. Ouais, je pense que je suis pas du tout près d'un puits donc. Quel dommage de mourir si vite. Haillon de Ada 4-4. C'est une pièce de véhicule. Ah, j'ai un Ah freeze. non, mon jeu il s'est fermé tout seul. Carrément? Ok. Ouais, c'est fermé, j'ai rien demandé. Bah, je pense Oh, il y a que. Groton qui a dit, est-ce que vous voulez que je vous backseat en droppant des infos liées à vos questions sur le stream ou pas? Ici même. Bah je veux bien, mais Groton c'est très gentil, mais du coup moi je vois pas Discord. T'as un écran avec Ouais, Discord toi ou pas? je l'affiche, Alors. gros ton, c'est bon.
Là, putain, mais c'est vrai, j'ai l'impression de l'insulter à chaque fois que je dis son nom. Vas-y, grosse merde, tu peux nous donner les infos. Hey, grosse pute là, donne-moi. Déjà, gros ton, tu peux nous dire si c'était normal ce qui vient de se passer ou c'était juste un reboot. Comme ça, on Ah, s'inquiète je pense pas. vu qu'on a tous les deux crash, c'est que t'y avoir C'est un crash client, ça va vous arriver ce soir, désolé. Ok, pas de problème. Ok, ça va. On est là pour stress tester. Stress tester. Ouais, on prend la température. Et donc du coup, gros ton, concernant les véhicules et les spawns, où pouvons-nous les trouver? Comment ça, je suis pas en 60 FPS? Connexion avec l'autre perdue. Si, je suis en 60 FPS. Ah, oh. Vous dites Je n'importe dois quoi, relancer. je suis en 60 FPS. Vous mentez. Les véhicules spawnent un peu partout, les hélicos, sur les places de parking des hélicos. Ok. Ah putain, ouais, mais par contre, gros ton, vas-y, ta réponse du un peu partout, elle est horrible. Bah c'est plutôt, tu peux le voir de manière optimiste. Non, mais c'est comme quand tu demandes quelle taille et qu'on te dit ni trop grand ni trop petit. Genre, c'est horrible comme réponse. Le Genre. serveur a crash derrière. Ah ok. Ok, voilà, donc ça le disait bien aussi. En ville. En ville, de manière générale. Ok. Tu te souviens l'époque où on avait nos véhicules et on devait à tout prix les planquer en croisant les doigts pour que personne les trouve, donc on se mettait dans la C'était forêt. trop bien de planter des trucs. De planquer des trucs. Oui. Oh bah alors on a fait un AVC. C'était trop bien de planter des plantes et des trucs dans DayZ. J'adorais. En vrai c'était trop cool quand on avait un véhicule, ça faisait plus d'une semaine qu'on l'avait parce que Quand on personne ne l'avait avait une trouvé. tente au bout de la map, il y avait des trucs de On était en ouf haut dans les dedans. montagnes, Et on un essayait de jour, construire un campement. quelqu'un l'a trouvé, je crois, un jour. Oui, bah, le véhicule aussi avait été trouvé. Non, mais quelle aventure cette époque-là. Quelle aventure. Ah, bah je pense que j'ai encore crashé. Je suis en train de relancer là. Ah Ah, non, c'est c'est bon. bon. Le serveur a marché. Ah, mais oh là. It is the night. J'ai des petits lags, ça va Ah, passer. attends. J'ai mon écran qui ne bouge plus encore une fois. Ouais, le serveur il est en galère là, je pense. Ça... Ouais, je Aïe, bouge plus. là. J'ai eu un petit. Si, c'est bon. Je suis revenu. Je suis à 29 FPS. Il y a un 10 FPS. Il va y avoir un truc qui charge là. Ouais, je pense que ça. C'est le serveur qui est en sueur. Ouais, il est en sueur. Oh, ouais, Il est ça. clairement au bout de sa vie là, je le sens. Putain. Oh! Ok. C'est bon. On est mieux. C'est Mais nous quoi ne sommes plus du tout ensemble. la... Non, on a dû s'éloigner un peu. C'est quoi la touche pour... J'ai trouvé. Pour s'allonger. Tu maintiens ta touche accroupie. Ouais, bah je sais. Putain, bah tu vois là par exemple, je suis sur une route et bah ils ont refait l'herbe et elle est grave stylée. Enfin, ils ont refait l'herbe. Disons que sur la route il y a de l'herbe et ça fait vraiment post-apo. Alors qu'avant sur Days, c'était. T'avais plus l'impression que c'était. Il y a eu une guerre et que voilà, ça s'est arrêté. Mais pas que ça faisait 30 ans que tout était abandonné. Ah oui, je te vois. Oui, c'est beau. Par contre, alors je vais manger cette pomme et après... Après, je sais pas ce qui va arriver. Hein. Après, je réponds plus à rien là. Après, ça va être compliqué de survivre quand même. En plus, faut qu'on bouge là. Si on va au nord, y a rien quoi. Je sais, mais je suis en train de croiser les doigts pour avoir un véhicule. Ah ouais, mais... Pff, ouais. Bon, bah, on bouge par là, écoute. Hein. Là, par contre... Mais le problème, c'est que. Non, mais de la bouffe, où est-ce qu'on trouve de la bouffe? Oh, qui est là? Ah Comment on merde, j'ai... parle? Ah merde, ma touche pour le micro. C'est quoi ma touche pour le micro? Faut que je trouve un truc, faut que je la mette. Attends, fais-lui F1. Hello, voilà, on va commencer. Et pendant ce temps-là, je vais chercher. Alors, Vite, j'essaie de faire un Hello, langage des genre signes, mais truc. il va pas tenir Hey, longtemps. can you hear me? Mon dieu, c'est ton son de. Yeah. What's C'est your quoi la name? touche? Verrou image. My name is Nairis. Alright. Are you French? Are you French? Because I love your accent. Oui, voilà, c'est pour ça que j'avais posé la question. Bonsoir. Bonsoir. C'est gênant. Je sentais qu'il y avait un malaise entre vous deux avec votre accent là. T'aurais pas. Alors je sais que je vais un peu vite dans la relation, mais t'aurais pas un truc à boire?
Et un truc à Parce qu'en manger. fait, on a un peu la gorge très très sèche là. Ça? Ah, c'est à manger, mais ça te donnera un peu à boire. Ça donne la Ah, chiasse aussi, non? Parce ça que je fait connais ce plaisir. genre Il y a du jus dans de les fruits. fruits, donc. Il nous a donné quelque chose là ou pas? Oui, il la mange devant nous. Non, non, il a donné une prune que je vais manger. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, c'est cool. Est-ce que tu aurais une autre prune? Ah mais attends, on marche pas, il marche pas en micro? Je marche pas vite? Attends, t'as pas entendu ce que j'ai dit de game? Non, je crois pas. Voix. Début du test micro, test 1, 2, 1, 2. Ah putain, ça marche pas. Je vais devoir Il aurait faire besoin d'aide un peu, peut-être, non? la... C'est possible. Mon ami arrive pas trop à ouvrir la bouche là. Donc... Allô? Oh merde, Ah, c'est bon, ça c'est bon, marche. il a ouvert la bouche. Oui, bonjour. Pas très bavard votre copain. Mais Ah. si, j'ai parlé là. Non, là ça marche plus. Oh. Oh putain. Il faut absolument que je boive. Tu saurais pas où il y a un puits par ici, par ailleurs? Parce que je vais Ah vraiment. oui, vous avez une fontaine dans le coin. Ah, ça Ah oui, m'arrangerait vous êtes en grave. train de mourir là. Ouais, je me sens pas bien. À deux soif. Ah venez. Après, je pourrais très bien boire dans Ah, cet ça étang, fera mais. l'affaire. Vous pouvez, vous pouvez, ah, vous pouvez Chien, boire ça dans cette suret. fuite. Ah oui, bah j'hésitais, mais bon. Ça. Une chiasse, Bah, qu'est-ce que tu vas c'est, hein? tomber malade et tu vas un peu vomir, mais Ok. ça t'évitera de mourir. Ok. J'entends un véhicule là. Derrière Oh. nous, il y a une voiture. Bon, je vais continuer à boire cette eau dégueulasse. Vas-y, monte. Monte. On arrive! On boit un petit coup! Attends, c'est le micro de ta webcam, mec, c'est atroce. Cool. Parfait. Mais monte là, tu fais quoi, Niris? Monte! Ah, il venait pas nous chercher nous! Il C'est venait pas chercher nous! son pote! Eh oh! Je vais monter! Attendez, je suis en train de vomir! Attendez, les gars, je me sens mal! Mais c'est déjà plein, il y a du monde! Comment on fait pour... Wow, vous êtes combien là-dedans? Bon, bah, à bientôt, les gars. Hein. Bon bah... Salut hein! Allez, À la à prochaine! toutes! Te chercher. Oh non, attends, attends, À je sors, toutes! je sors, je sors! Merci pour tout, hein. Merci pour rien. Oh non, je me suis blessé, Putain, gravement. j'ai mal au bide, je suis blessé aussi, je crois. Ah toi aussi, tu marches comme moi? Ouais, je pense qu'on va juste crever, putain. Oh non. On va peut-être tomber sur un C'était des bonnes véhicule. idées, tout ça, les... La stamina, la faim, la soif. Les maladies, Ça, c'est toujours des très bonnes les idées. blessures, ouais. C'est bien ça. J'adore. Cette fois, je me dis, ouais, le jeu, on s'amuse trop dessus, vous voulez pas mettre des trucs un peu chiants? Oh, j'ai un thermomètre médical. Tu veux qu'on l'essaye? Ça dépend, il doit se mettre où? Je vais lire la description. Oui, lis-le. Sans le bout. Ah, bah, il n'y a pas de description. Par contre, le bout est malodorant. Donc, on va voir où. Attends, je vais essayer de l'utiliser. Hop, je le mets dans ma main. J'essuie le bout. Oh bah voilà, je dégueule! Oh putain de merde. Attends, je vais voir où je me le fous. Oh, je me le fous dans la bouche. C'est pas drôle. Bon, de toute façon, je suis malade, donc je vais me prendre la température. Qu'est-ce que c'est long? Attends, comment ça? Il y a du stuff militaire? Ouais, mais il faut qu'on aille à l'intérieur des terres. Mais pour aller à l'intérieur des terres, il faut au moins qu'on soit un peu près. Je me souviens d'une époque où on regardait la carte à chaque fois pour se guider en essayant de ne pas se tromper de chemin. Et ça, c'était une belle époque. Ouais, bah là. Voilà, je continue, hein, je descends. On descend la côte est. Ok. Ouais, je descends. Bon. En espérant que quelqu'un nous prenne sur le chemin là, pour nous amener à Ok, un allons-y, véhicule. allons-y. Ça va être chaud. Surtout à cette vitesse, en fait. Y a quelqu'un qui est là? Attends, je check son pouls. Il a un pouls rapide. Oh, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Oh, il va faire dos d'honneur, je m'en vais. Super. Il n'y aura C'est pas pas une très petite amical ce boisson jeu. dans cette cabane là? La hache. La hache. Quelle hache? Quelle hache? Oh non, tu t'es fait bait par le chat en man de manière autonome. Je crois qu'ils ont fait une blague. C'est en référence en plus à la hache dans l'épisode où tu devais la chercher. Oh aïe Putain, aïe mais aïe, genre, la voir. déjà, je suis en train de vomir et en plus, il y a des connards. Oui. Qui me spamme la hache, quoi. Ouais.
Maintenant, ils ont leur libre arbitre, hein. Ils peuvent faire des pranks tout seuls. Vous avez zéro race en vrai. Putain, merde. Toute façon, je suis trop loin maintenant, et vu l'allure à laquelle je vais. T'es trop loin de quoi? De la prétendue hache. Ouais, tu sais, faut que je trouve une réponse parce que sinon ils vont continuer. Excusez-moi, je me permets de revenir vers vous parce que ah, vous n'aurez pas besoin ouais. d'un petit peu d'aide. Bah, je me sens pas très bien. Je vais t'avouer, je me sens pas très bien. Ah! Attends, je. Ça dépend Attends. Comment tu peux m'aider, mais. Attends, t'as besoin de quoi? T'as soif, t'as faim, t'es Là, j'ai surtout soif. J'ai surtout soif. Après, j'ai un petit mal au bide, mais ça, c'est pas très grave. J'ai l'habitude. Ok, attends. Tu vas essayer de me suivre comme tu peux, ok? On va aller Ouais. chercher un truc pour toi. Ok. Il est gentil, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je vais le suivre, il va m'aider. Il va t'aider à quoi? Bah, je lui ai dit que j'avais très soif, il va m'aider. Je sais pas ce qu'il va. Il va se mettre dans un coin, il va me pisser dans la bouche là. Mais surtout, va pas au nord, Il faut survivre, mon gars. Ils Non, sont au mais sud, je. hein! Non, non, mais j'attends, faut juste que. Je peux pas aller au sud pour l'instant, je vais vraiment mourir. Comment ça se fait que tu vas mourir? Moi, ça va? Ah non, ça va pas du tout là. Je suis infecté, je suis. Enfin, je vais juste. Et je crois bien que j'ai attrapé un truc aussi, je dois être infecté ou quelque chose comme ça. J'ai un. Moi, je Ah vous oui, jure, ça c'est ce c'est à qui m'avait cause fait de arrêter l'eau très du vite le standalone, c'était quand on commençait à avoir lac. toutes les maladies J'ai du mon monde ami et qui qu'on vous a prenait trouvé un aucun fun véhicule, parce qu'on il passait notre arrive. temps à soigner notre corps. Ah, c'est cool ça, ok, je vais en parler à mon ami. Apparemment, il y a quelqu'un qui a trouvé un véhicule et qui va. Pour nous, un ami à lui, qui va venir nous prendre. Moi, je suis en train de descendre à pied, il faudra me chercher sur la route. Ok. Quelle vie de merde. Je sais que maintenant il y a un système de clés, un peu comme sur Arma 3 là. Ah, pour les voitures? Ouais, donc t'as un propriétaire avec la clé, et tu peux tuer le propriétaire et du coup avoir son véhicule si tu récupères la clé. Pas mal ça. Par contre, pour faire un doublon, je sais pas, faut peut-être aller chez Clé Minute, Ouais, tu dans trouves la un rue des gars. Pyrénées à côté. Ouais. Par contre, t'as trop le seum si tu tues un mec, genre, et que tu peux pas voler son véhicule. Genre, Bah, c'est-à-dire qu'il a pas les clés sur lui, c'est un s'il a connard dans droppé ce cas-là. sa clé quelque part ou quoi, le J'imagine, gros. en Ouais, fait, le j'en ai connard marre. il drop ses clés dans un buisson juste histoire de faire chier le monde. Oh, je le ferai tout à fait. Oh, je vais tellement crever. Je crois que je suis dead. Hein. Je suis quasi dead là, je pense. J'arrive à peine à avancer. Vois toujours le mauvais côté des choses. Ton eau, elle est de très 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 bas, Elle est Ziki. très basse et ma santé également, Attends, attends, maintenant. attends. Attends. Ah, bonjour. Je crois qu'il est pas très gentil. Bonjour. Oui, moi. Bonjour. Ah, Putain, je suis claque. attention derrière vous quand même, hein. Oh. Voilà, connard. Ça c'est bien ça, il était en train de me faire des fucks et juste derrière lui il y a une voiture qui arrive à fond. Alors regarde s'il a à boire sur lui. Ouais, il était nu Alors lui. il a pas à boire mais il a des très très belles chaussures. Ça ne t'aide pas ça. Wow, la chaussure de ouf. Oh, je suis en train de me faire un stuff mon gars. Ah, moi j'ai trouvé une grosse canette de coca Une là. jupe. Mais ouais mais direct putain. Et pété le gamin. Pardon, je suis dans un mood un peu chelou là. J'essaye des vêtements un peu bizarres. Il vous reste du vernis? Putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je sais pas ce que je fais de. Je suis vraiment à l'ouest. Putain, mais. Ok. Ok, messieurs, je suis prêt. Toujours en mauvaise santé, mais. Mais vivant. Besoin d'eau? Oh oui! Oh oui! Tenez! Une bonne tranche. Oh, attendez! Allez. Une bonne tranche de fromage. Ah, pour vous, Voilà. c'est vous déshydrater, désaltérer avec du Voilà. fromage, c'est ça? Un petit camembert. Oui, voilà.
Un petit fruit. Oh. Le gars, je dis que j'ai soif, il me donne du fromage. Bah merci. Et qu'est-ce que je fais avec un groupe électrogène? Ah, tu peux le ramasser là. Ouais, demande-leur si c'est bien, si c'est utile un groupe électrogène. D'ailleurs, j'avais une question. Quoi? Oh, c'est trop drôle. Alors, j'ai dit, j'ai une question, et là, ça va... You are dead. J'ai même pas eu le temps de finir. Quoi? Quelle triste histoire. Alors, soit le fromage était empoisonné, soit j'ai un karma de merde. Bon, bah, je réapparais. Wow, c'est la boîte de nuit. Wow, attention, les épileptiques. Non, fake, les épileptiques, regardez pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour vous. Ne regardez pas. Wow. Je ferme. Quoi, le sac? Y'a vraiment un sac ou quoi? Non, ils mentent. What the fuck? Ils mentent parce qu'ils m'ont fait la blague de la M16 tout à l'heure et là ils me refont la blague du sac. Ils sont drôles, hein. T'as vu, ils sont drôles. Je te l'avais dit. Dans la maison avec la map. Vous mentez. Là où tu as pris ta canette, vous mentez, vous êtes des vilains serpents. Bon, gros ton, du coup je vais réapparaître. Gros ton. Pas le choix. Putain, merde. Tu peux ni l'appeler ton ni l'appeler gros en plus, parce que dans tous les cas c'est une insulte. Il va falloir trouver autre chose. Terra, le sac, gros débilos. Y'a pas de sac. Bon, je relance. Là où il y avait la canette, c'était vers là, non? Pas cette maison. Eh, vous me faites tourner en bourrique, vous mentez, vous êtes des menteurs de merde. Ah non, c'était cette maison-là. J'espère vraiment que vous avez pas menti. Où ça, un sac? Ouh, alors qu'on s'apprête à dépasser. En termes de viewers, la World Cup de Fortnite, bravo à tous. Ah, c'est GG ça, j'en étais sûr. Ce retour en fanfare de Days. Ah, les... C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs bouillons. Je sais pas ce qu'on fait. Y'a pas de sac, vous avez menti. Mais évidemment qu'ils mentent, mec. La hache, le sac, en fait, dès que t'as un truc qui serait potentiellement worse, par contre, si le mec te dit, oh, y'a une casquette, bah ça c'est vrai, tu vois. Attends, mais... Ok, bah... Mais il monte. Gros ton, je veux bien que tu me TP à... À c'est pas là. Je vais pas être dans une autre maison, vous mentez. Après, est-ce qu'il nous TP... Il pourrait pas nous TP tous les deux à Tcherno, au pire. C'est faisable, ça? Bah, on est un peu en galère, je pense qu'il vaudrait mieux nous TP tous les deux à Tcherno, là. Ou pas loin. Ou... Parce que là... Vu comment on est en galère déjà pour survivre... Si on a en plus le problème du lieu... Oh. Attends, ils ont pas menti. Attends, d'abord j'ai besoin de savoir où il est. Où est-ce qu'ils l'ont vu? Oh mais... Alors... Non mais d'accord, il est caché. Alors toi on te dit la vérité, mais moi on te dit de la merde. Au top. Je sais même pas comment ils l'ont vu, mec. Il était buggé à travers deux objets, il y avait qu'un bout qui dépassait. Excuse-toi pour les serpents, Terracide. Je m'excuse pour avoir traité de serpent. Au top la commu, hein. C'est bon, on peut être TP, je suis prêt, j'ai du gros stuff. Pareil, je suis prêt. T'as un sac à dos, c'est tout. Putain, oui. Mais moi j'avais un beau costard avec une jupe et des petites ballerines. Bah je comprends pas, j'ai eu mon entretien d'embauche mais j'ai pas été retenu. J'étais trop bien sapé et tout, et pourtant... J'avais un beau costume et une jupe. On peut pas cueillir des fruits là. Qui klaxonne? Non. Des petites baies, ici là. Non? Y'a quelqu'un qui klaxonne? Bah ça doit être les mecs de tout à l'heure qui viennent t'aider, probablement. Alors où est-ce que je suis moi d'ailleurs? Je suis... Oh, bah, ah mais... Oh! Faut éteindre le bousin là. T'es... C'est quoi la touche pour arrêter le klaxon? T'es où? Je suis à côté d'une... Bah là où ça klaxonne. Ah moi ça klaxonne pas. Ah bah ça klaxonne fort. Je suis la ville, je suis la route vers le sud, je suis à la prochaine ville. Ah bah attends, je vais prendre la voiture, s'il veut que je conduise, je conduis, hein. Tu préfères conduire? Ok, j'ai jamais conduit, hein. Mais c'est toi qui es là. Quoi? Moi ça klaxonne pas. C'est moi là. Ça c'est toi ça?
Mais oui, c'est moi là! Avec un si grand sac à dos! mais t'es gueule à bagnole! Putain, attends, je me mets à côté là. Mais moi, ça klaxonne pas du tout! Ah bah, mets un coup de klaxon pour voir si ça débug! C'est quoi la touche? J'en sais rien! Oh merde! Aïe 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 aïe, c'est infernal ce bruit! Alors attends, je regarde mes contrôles. Commande. Klaxon. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, je m'éloigne. H. Apparemment, H. Ah non, mais ça fait un double klaxon. Est-ce que ça t'en fait un triple? Ça me fait horrible. Mais attends, mais c'est un remix que tu fais là. Attends, je vais varier les timings. C'est un véritable remix. Attends, fais voir, je vais me mettre à ta place, ça se trouve ça va faire des bugs le truc. Ta gueule la voiture, la vache. Mais non, qu'est-ce qu'il faut déco-reco visiblement. Faut déco-reco. Ouais. Oh putain. Bah on t'attend, hein, pas de problème. Hein. Je vais me mettre au volant pour pas qu'on nous emmerde. Quitté. Oh putain. J'ai plus de tympan. Attends. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? Non, rien. Si, bah si, t'as fait un truc. Tu m'as tué. Non, c'est bon, j'ai rien fait. Tu m'as volé un truc. Non, non. T'as fait quoi? Rien du tout, je te montrerai. Mais tu sais que le chat va me le dire. Je te montrerai, j'avais un peu arraché la portière de la voiture, mais je l'ai remise. Quoi? Je suis un mécanicien du quartier. C'est pas possible. Si. J'ai arraché la portière, mais je l'ai remise, les gars. Tu vas voir, c'est très simple. Je pense qu'on peut arracher pas mal de choses. Tu peux prendre la portière en mode bouclier. C'est une vraie info, ça? Bah, je pense que, effectivement, c'était ça. Hein. Attends, je regarde comment on conduit déjà. Bon, ça m'a l'air simple. Ok, pas de problème. Ah par contre, la marche arrière c'est... Pourquoi? Ah, attendez... Ah, faut passer les vitesses et tout, non? Non, on n'a pas notre permis, on peut pas encore passer les vitesses. Hein. Oh non, vous allez pas faire ça là. Peut-être. Attends, j'apprends à conduire pendant que tu reviens. Ça veut dire quoi? Faut passer des vitesses? Bah, je sais pas, on dirait. Mais comment tu les passes? Mage gauche, Z. Ah non, c'est plane, ok. Non, bah... C'est bon, je suis là, ça klaxonne plus. Parfait. Oh, par contre, j'ai défrisé, attends. Par contre, bon, je comprends pas comment on fait une marche arrière, mais c'est pas grave. Bon. Je vais pas klaxonner. En cas où. Ok. Attends, mais c'est notre voiture maintenant? Vas-y, prends ma portière s'il te plaît. J'ai chaud. Comment ça, prendre la portière? T'as pas le choix? Tu peux pas? Attends. J'ai mon jeu qui est en train de... Il a un peu de mal là. Attendre qu'il charge. Là, ça bouge plus chez moi. C'est bon, ça rebouge. Alors. Bah comment t'as voulu prendre la portière? Mais t'es un malade. Attends, je vais regarder. Alors... Ah, prendre en main. Voilà. Oh, hop. On va l'alléger. Mais attends, mais on pourra aller plus vite et sortir plus vite si ouais. On a pas de portière. Viens, on les tège. Ah là. C'est quand même beaucoup plus intelligent. C'est qui lui? C'est qui? Y'a un mec qui démarre. Rentre. Y'a un mec qui démarre. On s'est fait carjacker. Mais... Oh, allô? Je sais pas qui c'est. Bonjour, vous êtes en train de nous carjacker? Y'a quelqu'un? Si vous retiriez ce masque à gaz, on vous entendrait mieux a priori. Hein. Vous avez un pouls rapide. Bon. Bah on verra où vous nous emmenez.
Mais qu'est-ce que... Oh, il va vite, eh. Vous allez un peu vite, monsieur. Vous... Il va vraiment monsieur, très vite. Vous avez passé la cinquième. Monsieur, je n'ai pas de portière et pas de ceinture. Monsieur, j'ai oublié de fermer ma portière. Est-ce que vous pourriez vous arrêter? Vous pouvez vous rabattre sur le bas-côté, monsieur. Attention aux portières. Oh, il savait qu'il y avait un barrage et tout, mais trop chaud. Monsieur? Mais je t'entends pas toi d'ailleurs, attends, je suis censé t'entendre. Oh bah oui, t'es censé m'entendre, mais ça marche pas, merde! Vous pourriez au moins nous dire où vous nous emmenez. Juste ça. Bon, mais il nous emmène nous. Je vois qu'on peut pas discuter. Oh non, il va remettre un coup sur champignon. Oh, il est trop... Eh, il est trop chaud. Attends, j'essaie de voir le panneau. Ok, attends, je regarde la carte pour voir où il nous emmène. Ah oui, d'accord. Oh, bah pour l'instant, on va dans la bonne direction. Oui, bah bon, c'est vous bon. Savez quoi, mon brave, tant pis, continuez, ça va. Il va faire une pause à station essence. Ça arrête pour l'essence là? C'est génial, attends. Ah, ouais, bah super. Il va faire le plein là? Tu devrais le car Jacques, bon, qui fait le plein. Qu'est-ce que. Vous venez de faire le plein pour de faux là? Vous êtes RP? Le summum du RP. Et nous sommes maintenant arrivés à la ville de Kohirin. Kohirin. Ah, c'était une longue route, hein. Sans parler, ça va être. Quoi, c'est ma portière qui vous dérange? Ah, si c'est que ça, on va l'enlever. C'est pas. Bah, merci, mon brave. Attends, il nous a donné des trucs là. Il nous a donné des trucs. Oh là, oui, il nous a donné. Oh, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Oh, vite, un coup de portière, attends. Goodbye, cruel world. Goodbye. Oh, c'est que. Non, mais. Non, moi, je. J'ai pas d'arme là. T'as les clés pour le véhicule? Je pense, oui. Attends, faut juste que j'arrive à prendre ces trucs. Goodbye. Pourquoi il... comment? Je sais pas, il est chelou. Goodbye. Attends, mais t'as pas là où t'es? Non, pour l'instant j'estime que j'ai de la chance et je. Comment ça se fait qu'il. Attends, sweat à capuche. Putain, j'ai trop du mal à faire les échanges de stuff. Oh, mais t'as donné trop de trucs! Bah attends, et... pour l'instant j'essaye de faire un transfert, on verra après. Voilà, moi je veux une prune, c'est tout. J'essaye de prendre le truc et qu'on puisse se barrer. Oh non, il est mort. S'il est mort et que les zombies n'ont plus de cible. Mais alors. Ok. Faut qu'on arrive à accéder à la place passager. Attends, on peut changer de place dans la voiture. On peut aller en pilote, bah, là. Ça aiderait, c'est ce que j'essayais de faire tout à l'heure, mais. Putain, y'a tellement de. Tiens. Regarde sur Discord s'il n'y a pas Groton qui le dit au cas où. C'est un random qui vous a cardjack. Alors déjà, on a confirmation que c'était un random. Alors pour l'instant, ouais, il m'attaque pas, donc je vais pouvoir regarder les commandes. Alors. Oh! Pour l'instant, j'ai pas de. J'ai pas vu de touche. Attends. Au pire, si je les attire. Je suis avec eux. Je suis un zombie. Attends, je vais y arriver. Aïe! Essaye de les attirer, je sais pas. Ah! Ça y est, ça tape! Ça tape! Ah non, il bouge plus là. Ça va crash, non? Qu'est-ce qu'il fout? On est sur pause. Oui, c'est bizarre. Ah, voilà. Bon. Connexion, d'accord. Quel dommage. Hop. Oh là, faut pas que j'affiche le mot de passe, moi. Vaut mieux pas.
Je vais relancer complètement. Ouais, je vais relancer complètement aussi. Bon, avec un peu de chance, du coup, il y aura plus de zombies, il y aura toujours la voiture. J'aurai toujours le stuff qui nous a laissé. Et on sera pas mal. Sauf si le serveur a fait une save 5 minutes avant tout ça. Non ! Faites changer de serveur et le bouton expansion en haut, les gars, c'est plus rapide. Ok, on verra. Je relance. J'ai envie de manger des blinis oreillettes de saumon. J'ai envie de manger n'importe quoi. Pourvu que ça se mange. Franchement. Là. Et encore, il n'y a que 21h47. Ouais, ça va être très long. Hein. Dans 3 heures, je vais te dire, j'ai envie de bouffer, je sais pas, de la terre. J'ai vraiment faim. Moi aussi, j'ai extrêmement faim. Putain, merde. Alors, je suis de retour devant la voiture. J'ai toujours le stuff. Ok. Bah. Bien. Je vais finir de retirer les dernières portières. Parce que quand même. Je te vois en plus au travail là. C'est trop bien ça, ah ouais, c'est incroyable. Je vais finir de retirer les portières, j'arrive. T'imagines dans un gunfight, tu prends ça et tu marches. Ne tirez pas. Ça marche vraiment ou pas? Est-ce que tu crois que ça, ça parle pas? Ce serait ouf. Après, je suis pas sûr que tout ton corps soit couvert par le truc, mais. Allons-y. Non, vas-y, fous les trucs dans le coffre. Hop, les phares. On dirait un enfant qui fait joujou avec une voiture et qui la démarre pas. T'as mis le frein à main? C'est bon. Et du coup, faut que tu passes les vitesses là? Ouais. Et comment tu les passes? A et E. Ça va être trop dur. Ouais, j'ai peur. Allez, un petit coup de. Alors, c'est vraiment ça se repère au son, hein. Quand je ça sais. Ronronne là comme ça, c'est. Oh putain! Je te préviens, un seul accident, on change de place. Merde, non. Non. On a un peu de crevé là, non? Non. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... qu'elle galère un peu. Ok, tu peux continuer, hein. On a même pas encore fait l'angle. Ok, bah je trace alors. Allez, tu vas passer de vitesse là encore, hein, allez. J'en ai plus. T'en as... Tu n'as plus de vitesse. Je suis à c'est fond. C'est vrai qu'on dirait du liquide. Oh, j'ai fini toutes les vitesses, il y en a plus. Ah là, c'est mort là. C'est pas prévu par, par la voiture. Je vais beaucoup trop vite. Ça sent l'accident du coup. Non, ça va. Oh, tu vas pas vite là. Le mec allait plus vite tout à l'heure, j'ai l'impression. Oh bah critique, vas-y. Non mais c'est vrai, je veux dire, t'avais pas l'impression qu'il allait plus vite? Si si, ouais, j'ai eu l'impression. Je sais pas, pourtant je fais E là, c'est... T'es à combien là? T'es à 100? Je suis à 110. À 110. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Attends, si à un moment il y a un barrage, je vais vraiment le regretter. Donc... Va à fond. Ouais ouais, non mais bien sûr. Y'a des loups? C'est ce que j'entends. Ah non, c'est des chouettes. Ok, y'a pas de barrage hein, de toute façon. Pour l'instant. Il va pas arriver sur un, sur, comme un cheveu sur la soupe s'il y a un barrage, il va être affiché de loin. C'est toi qui éteins les phares? Ouais, j'ai voulu voir si on y voyait quelque chose ou pas du tout. Je fais des petits tests. À 110. Tu fais des stress tests à tout seul. Voilà, voilà. Mais ça se conduit mieux qu'avant, non? Ça va. Ça avant, j'en souviens, les voitures elles glissaient complètement. Tu vois là, je slalom un peu. Ah bah ça va. Ça va. Voilà. Ouais, c'était bof. Mais bon. Et je sais pas où est-ce qu'on trouve du bon stuff sur le jeu maintenant. Avant, c'était t'sais, les stations de pompiers, les commissariats et les zones militaires. Mais maintenant, je sais pas, ça a peut-être changé. Je dirais pareil, mais quand je vois Bibix jouer, il loot vraiment toutes les maisons et tout. Ah ouais. On est où là? Toujours. Je vais te dire ça. T'as fait l'angle maintenant, mais bon, on est encore loin. Encore deux villes avant. Avant Tcherno.
Tu vas passer par Electro d'abord. On peut peut-être s'arrêter à Electro. Hein. Ouais, j'ai un très mauvais souvenir d'Electro, mais en vrai ça va aussi. Ah, si t'appuies sur Shift, t'as un boost. C'est Azure qui dit ça. Wow. 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 120. C'est le cas ou pas? Oui. 130. Ah oui. Ok. Oh oui, putain, tu vas. Ok. Wow. Continue, je vois le monde. Tu viens bientôt à 140 là. Oh, la voiture elle fait des bruits. Ah bah voilà, là, ça va plus vite. Objectif 150. 150 en ville. Il a même pas fait l'effort de tourner dans le virage ou quoi. Il a juste tout droit. Pied au plancher sur le frein. Je viens là. Juste fait ça. Alors, on est où là? On n'est pas à la bonne ville? Bah, on est à Tcherno, non? On est à Electro, je veux dire. Ouais, on est arrivé près d'Electro. Tu peux continuer encore un peu? Ouais. Tu peux pas aller sur une route? Pourquoi t'es très lent comme ça? Putain, attends, je sais pas ce que je fais avec ma voiture. Patine, là. Je suis en sous régime. La première. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Il va y avoir un problème avec l'arbre là. Oui, voilà, il y a un petit trou là. Non. Ah non, t'es au point mort là, faut passer la ferme. La ferme hein. le moniteur. Putain, je le savais. C'est la chance que j'ai pas de pédale à côté hein, parce que, putain. J'ai l'impression d'être un élève stressé là. Vous avez vérifié votre rétro? Oh, ça va pas du tout là. Un hélico. Hélico, je le vois. Il est passé derrière, à fond. Ils existent. Très bon hélico entraînement au permis. Un autre hélico. Ouais, c'est un autre hélico. Alors c'est à droite plutôt maintenant. Hein. Là, je m'en souviens, t'es dans la partie, tu sais, un peu des maisons qui sont sur le bord de mer. Ouais. Ok. Là, t'es complètement en train d'aller sur le port, en fait. À droite. Y'a eu aucun choc, hein, en vrai. Y'a des ouvriers qui sont en train de déranger. Attends, mais y'a un ouvrier avec un gros sac à dos, là. Sérieux? Ah, on a tout dans un sac à dos, ça sert à rien. Genre, il le porte? Ouais, il le porte. Putain, mais... Ah ouais. Wouah, bon, ça nous est pas utile, mais... Hop là. Bah là, monsieur, vous venez de perdre des points. Parce que vous venez quand même d'écraser quelqu'un. Ouais. Ouais, t'es dans la zone indue. Faut que tu sortes. Je fais un truc inutile, là, non? Ouais. Oui. Tu viens d'aller vraiment là au bord de la mer, du coup. Et où est-ce qu'il va? J'essaie de revenir. Oh là. Ah. Oh, ça a pas l'air... À droite. Là, c'est bon. À gauche, droite et droite encore. Voilà, je crois que là c'est bon. Putain. Genre là c'est bon? À gauche encore? Bah, je pense, ouais, non. Bah, non, c'était bon tout droit. Sérieux? Je pense que c'était bon tout droit. Là, il n'y a plus rien, si tu sors d'Electro si tu vas là. Ah, merde. Hop. Mais prends le volant, si tu laisses mamie conduire 2 heures, on n'est pas rendu. Eh, c'est compliqué les vitesses, hein, on n'a pas le permis nous. Ok, là ça doit être l'hôpital, je... Non, peut-être pas, je m'en souviens tu pas. Tu me dis quand tu veux qu'on drop. À droite. Ah non, à droite, on va aller au centre-ville. Quoique tu peux laisser la voiture là si tu veux, on va... J'aimerais bien qu'il fasse jour quand même. Ce serait trop bien qu'il fasse. Ce serait vraiment qu'il fasse jour d'un coup. Qu'on voit mieux. Je vais la garer non, un peu plus loin. Ah là tu te rapproches dans le centre hein. Genre, là tu vois c'est la station de pompiers là. Mais si c'est bien. Oh bah c'est à faire voler quand même. Oh on non, est où là? C'est notre voiture après tout. T'as les clés de toute façon, non? Bah je suis pas sûr de ça.
Voilà, elle est bien chiante à prendre. En fer. Hop, point mort. Et les phares Éteindre le moteur. Le radiateur de la voiture, il est ok. Ok, tout est en ordre. C'est bon. Par contre, les clés... Les phares. Oh, qui m'emmerde. Les clés, je vois pas. S'il y a un système de clés. Donc, elles sont, si elles sont pas dans ton inventaire, c'est que je comprends pas. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un système de clés. Là, je vois pas. Ouais, mais là, pleine nuit, s'il y a du loot, je vais rien voir. Ah, ah bah, alors ça, pour une surprise... Le jour se lève. Ah, merci au bon Dieu qui a été gentil avec nous, hein. Quelle chance. Je vais manger des vitamines, moi. Un pantalon de pompier, avec plus de place. Je vais dans les maisons un peu plus loin. Eh, si ce serait pas l'hôpital, ça. Bah, je vais y aller. Excellent, ce bâtiment. Jean, pantalon. Je peux pas remplacer le pantalon actuel que j'ai par un pantalon de pompier ? Ah, si. T'as été où, du coup ? Je suis dans l'hôpital, qui est un peu plus loin. J'ai trouvé des bandages, un chargeur de 15 balles. Ah, t'as trouvé un chargeur ? Dans un hôpital ? Ouais. Dans un vêtement, en fait. Dans un vêtement, dans un hôpital. Mais alors, comment c'est possible? Épinéphrine. Ah, je m'en souviens de l'épinéphrine. Morphine. C'est le truc jaune, là. Ouais. On l'utilisait jamais. Les épipènes. Poche bien, tout ça. De sérum. Pilule de codéine. Mais il y a tout ce qu'il faut, Damien. J'ai tout ce qui est possible d'ingérer, hein. Malheureusement, je me souviens que c'était vraiment chiant parce que ça sous-entendait que tu pouvais avoir 50 000 besoins médicaux. Bah ouais, ouais, là, je sais même pas ce qui me serait utile ou pas, quoi. Oh. Tu te souviens, dans la station de pompiers, quand on faisait le bug de l'échelle pour s'en sortir de certains fights ? Attends, c'était quoi ce bug de l'échelle ? Ça me dit un truc, mais... Tu pouvais traverser le mur. Tu pouvais passer le mur avec l'échelle. J'ai trouvé des bouquins. Bah super ça Thomas. Bah je vais les prendre. Et puis je vais lire. Ah bah je peux pas. Le serveur va peut-être cracher. Bonnet d'infirmier. Parfait. Aucune raison qu'il crache. Il a jamais craché, n'est-ce pas? Mais c'est marrant parce que je ne trouve rien. Moi des petits trucs mais c'est essentiellement médical du coup. En fait, comme si ça avait déjà été looté. Et je connais pas les délais de réapprovisionnement du loot. Genre, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Poche de sérum encore. Putain, j'ai un... Uniforme d'infirmière. Oh là, je crois que pour le délire, on va... on va complètement l'enfiler. Alors, ça doit être à la place du sweat à capuche. Voilà, très très bien ça. Ah, je te prends une hache. Eh bah parfait ça. J'en voulais une et en plus on m'avait trollé. Une radio portative. Ouais, grave. Une veste NBC. Je peux en prendre une de ça. Alors l'hôpital il doit pas être loin, je me souviens qu'il était vers la droite. Ça, tu dois être là-bas. Si tu vois une jolie infirmière, tu lui tires pas dessus. Ah, c'est peut-être pas ça l'hôpital. C'était là-bas, il me semble, mais pourquoi je vois pas de bâtiment ? Ah putain, je m'en souviens plus. Bon, rendez-vous à l'école, ça je me souviens d'où aller. Wow. Bon, à moins que je confonde avec Tcherno ? Peut-être. Je suis sur le toit de l'hôpital maintenant. C'est de là-bas là, l'école normalement. Mais je reconnais plus rien. Moi je te vois courir là. T'es sur une route au milieu, non ? J'ai arrêté de courir.
Je t'ai vu, je vais essayer d'aller vers là où t'étais. Alors, si tu m'as vu. Ah, attends, remets-toi sur le toit. Je reviens. Si c'est ça, c'est cool. Ah, coucou, c'est bon, je veux nous texter ce bâtiment-là. J'aime cette communication non-verbale. Ah oui, on peut zoomer en plus. Alors du coup, bah, rendez-vous devant l'école, si c'est bien par là. Putain, la bonne époque des vélos aussi. Ah, les vélos, mais trop bien, hein, trop pratique et tout, hein. Franchement. Ouais, et trop une source d'embrouille quand il y en a qu'un et qu'on est deux qui conduit. Ah ouais, tu sais, l'autre est obligé d'attendre celui qui est à pied à chaque fois, il fait des tours. C'est exactement ça, en fait, ça nous faisait jamais gagner de temps. C'était juste plus pratique pour là. Faudra rajouter un petit siège bébé, quoi. Par contre, alors ici, le puits, il doit y avoir un puits, mais pas loin. Batterie de camion. Ouais, c'est 4 livres 12. Batterie de camion, c'est spécifique quand même pour que t'en aies besoin. Ouais, je suis pas sûr d'avoir besoin de ça là dans l'immédiat. Attends, c'est des camps de. C'est des camps de. Oh! J'ai trouvé un. SG. God damn it. Oh, god damn. Trop content. J'ai une bouteille en plastique avec un peu d'eau dedans. Du calibre 12. Va boire. De la vraie eau. Chaussures de jungle. Y'a pas moyen de looter plus vite avec le tab là? Parce que mon perso marche très lentement quand je le fais. Quand je veux scanner une pièce, c'est pas pratique. Ouais non. Ouais, ça ralentit. Ok. Toi déguisé en infirmière, moi en pompier, ça sent le sexe. Oh là là, fou, les fanfics. Wow, c'est chaud ici. Oh, c'est tellement chaud. Ah, après, ne vous étonnez pas qu'on écrive des fanfics. Vous cherchez grave. Au fond, on sait que vous les lisez en secret. Marmite, ce serait pas utile ça quand même? Putain, si t'arrives à faire un bouillon alors qu'on arrive déjà pas à trouver de la bouffe. Ouais, j'avoue, si je trouve une carotte, je vais juste la bouffer. Ah oui, parce que si t'arrives à faire une soupe de légumes là. Une hachette. Ah bah, t'as pas besoin de ma hache. Moi, t'as c'est une vraie hache de pompier, hein. Ah bah, alors si. Alors, ah si. Parce que là, j'ai quand même pas grand chose. C'est une hachette, quoi. Ah bah, je suis au fameux bar. Il y avait des fights ici. Des fights incroyables. Ah, le bar, quand tu te mettais à l'étage là et que t'avais qu'une seule pièce dans laquelle te retrancher en haut. Et pourquoi j'ai pas d'étage cette fois-ci? C'est peut-être pas le même bar. Des balles de 9 mm. Putain, là, tu trouves des trucs toi. Ouais, tout sauf le flingue, on va dire. Oh. Mais ouais. J'ai un pistolet, j'ai un SR-75 et du coup j'ai un SG-5K. Donc j'ai évidemment pas les balles qui l'accompagnent, ni les chargeurs. Par contre, du coup, je sais pas quel. Quelles balles vont dans quel chargeur? Chargeur 15 balles de FX45. 45 ACP. Donc là par exemple je prends du 45 ACP, je fais combiner. Charger le chargeur. Ok, lourd. Et si je veux découper into rags? Ah ça. Ça je ne sais pas. À fabriquer Sharpie, putain, j'ai réussi. Prendre la Sharpie. Il est armé, ton MP5. Ouf, t'es de ma gueule. Il est armé? Putain, c'est tellement stylé pour mettre les balles dans les chargeurs et tout. Ça existe dans aucun jeu à part celui-là, quoi. Tu parles de quoi? Bah, genre, quand t'as des chargeurs, tu dois les prendre dans ta main. Combiné avec les balles et après rester appuyé pour mettre une à une les balles dans le chargeur. C'est vraiment stylé ou pas? Bah c'est stylé mais dans un fight ça doit être ultra relou quoi. C'est RP mais putain que c'est long. Ouais c'est ça, c'est très long. Mais bon. Non j'ai pas de chargeur. Ah si j'ai un chargeur avec 11 balles. C'est comme la stamina, c'est. Au fond c'est grave stylé. Bon ok. Ah, putain ok j'ai 11 balles, c'est pas mal ça. Alors, je peux te dire qu'on va prendre la bagnole et qu'on va directement aller dans les
Putain, faudra qu'on trouve la route. Oh, je sais, tu vas être mon copilote. Et pour aller, tu sais, avant d'aller à l'airfield, il y avait un camp militaire. S'il y est toujours. Oui, avec toutes les tentes là. Ouais. Ouais. Oh, descends une échelle et maintiens shift. Ah, ça descend vite, je me demandais tout à l'heure. Oui. Parce que j'étais très lent quand je descendais. En plus, moi, avec mon RP de pompier, c'est parfait. Robe à col Claudine. Dis donc, si jamais tu Oh! te lasses de ta combinaison d'infirmière, j'ai un vêtement pour toi. Ah bah, je suis La très robe à content là. col Claudine, là. Très très content. Masque anti-poussière. Un cartable d'écolière. C'est Une ça? bouteille d'eau. Non. Ah, c'est à la place du masque à gaz. Non, vas-y, je garde. Ok. Oh! 40 €. Hélico! Oh. Oui. Hélico qui se crache, non? Ah non, il a freiné. Qu'est-ce qu'il fait? Il patrouille. Fais attention. Il va quand même se crasher, je pense. Il a un peu trop fait le beau en passant là. Pourquoi tu fais le beau comme ça? PK, tu te la racontes dans les airs avec ton truc là. Tu te souviens le jour où on a eu un Little Bird après des centaines d'heures de jeu et on a réussi à trouver. On avait attaqué une team qui avait un Little Bird et on a fini par leur piquer. Oui, c'était pas dans une forêt là, un truc. Si, c'était éloigné en bordure de mer. Ouais, en c'était un fait endroit bizarre. entre Electro et le bord de la map. C'était un endroit dans lequel on faisait jamais de fight. Putain, quel souvenir, mais quel souvenir, mais quel jeu. Veste de police, c'est grave bien ça. Oui, tu pourras faire un Bon. RP policier après que tu auras fait la RP Désolé. infirmière. Désolé pour l'infirmière. Oh Mais non! là, je suis de la police hein, parce que c'est trop bien quoi. Waouh. Il y a une M16 dans la caserne de pompiers, tu l'as loupé. Mais vous mentez, la caserne de pompiers, j'y étais depuis tout à Carrément une M16 quoi. l'heure. J'étais tout à l'heure. Soyez Tu sais, ça fait réaliste. 20 minutes que j'y suis plus et ils se l'ont dit maintenant. Putain. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Et ça patrouille hein. Ah, mais t'es dans le commissariat? Eh oh, je suis là! Waouh! Tiens! T'es full pompier! Ah, trop bien. Hop, je dépose ça. Oh, elle est belle. Merci bien. Elle est très belle. Ça me fait plaisir. Oh, tu m'as presque vu en infirmière. Tu sais quoi, je vais. J'ai quand même envie de te montrer ma belle tenue. C'est quand même dommage Ça que je la loupe. me. Ça me fait mal que tu l'aies pas vu là. Il nous cherche? Bah, c'est possible, je me demande si c'est un par rapport avec nous, mais. Tu me trouves comment? Ah, c'est ça, mais c'est tout bêtement nul! Bon. Je m'attendais à un truc sexy, blanc et tout, avec le petit Bon. logo croix rouge! Non, je vois que Je tu me trouves m'attendais pas. à Adriana Carambeu et j'ai eu Franck Leboeuf! Qu'est-ce Je que vois c'est que que tu me ça? trouves pas assez belle. Oh, Très c'est vexant. au-dessus de nous, hein! Oh, j'ai une arme! Ils sont deux, c'est au-dessus de nous! Ils se posent sur le toit! Ils se posent sur le toit, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais cassez-vous là-haut! C'est qui? C'est qui? Ils font Qu'est-ce qu'ils un veulent? sacré bordel, hein! T'es encore dans le bâtiment là? Ouais. Ils vont venir de par le toit, hein! Oh, qu'est-ce Ils qu'ils veulent nous disent? poser des questions, non? Ils parlent de parachute. Cut the helicopter, please. I can't hear you. Le chat, est-ce que j'ai un chargeur pour ça? Hello? I have a bucket and I'm not afraid to use it. Eh, moi j'ai une arme. Je peux Moi commencer à aussi, tirer sur des gens. Non, non, mais attends, ils veulent dialoguer. Ouais, ils veulent dialoguer, moi aussi je veux dialoguer. Hey, I want your baguette. Give me the baguette. Throw it on the roof. Et là ils sont occupés. En fait, pour l'instant ils parlent à quelqu'un d'autre, donc on peut y aller. Pour l'instant on peut être tranquille et on n'est pas. C'est pas une mauvaise situation. Tiens, on retourne dans la voiture. Ouais, au pire, là on peut partir et nous verrons pas.
Oh là. Tiens tes mains, Lilico. Attends, attends. Vas-y, go. Maintenant. On est sous le porche là, il nous voit pas, il nous voit pas. Go. Y'a l'hélico là. L'hélico là. Il démarre, t'inquiète. Y'a un autre hélico, y'a un autre hélico. On peut le prendre, on peut le prendre. Quoi? Mais non. Non, on va se cracher, je pense. Mais il est là, devant moi là. Oh putain. Y'a des clés. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Bah oui. Putain, ça va être chaud hein. On va les carjacker. Comment on démarre? Comment on démarre? Comment tu démarres la voiture? Clique, normalement tu cliques une fois ou tu restes sur le clic ou... Attends. Ça fait rien quand je clique. Commande. Attends, je reste sur le clic. Oh mon dieu. Ils vont paniquer. Oh mon dieu. Hein. Faut qu'on démarre vite parce qu'ils vont paniquer. Je sais pas comment on fait pour monter, comment on monte. Z, essaye A, E, Q, D, Z, S. Je vois pas les touches, c'est mal inscrit. Attends. Qu'est-ce que... Comment je... Mâche gauche, comment H gauche. Z, Q, E, S, W, D, A. Essaye tout. Oui, oui. Oh putain. Oui. Oui. Oh là, oh là, oh là. Oh là, je sais pas comment on conduit cette merde. C'est bon, tu te débrouilles très bien. On les a carjackés. Ah non, 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 arrête. Arrête. Comment je shift. Voilà, shift. Voilà. Comment je tourne. Comment je tourne. Ok, ça tourne. Ça fait ça. Ça tourne. Ça comment tourne. J'avance. Quand j'avance sans tomber. Te fais pas un looping. Comment j'avance sans tomber. Shift peut-être. Ok, je sais pas si ce que je fais est bien. J'avance là. Au moins on n'est pas mort. Oui, t'avances bien. Ok, tu peux me guider vers le... Oh putain. Là où on avait dit. À Tchernogorsk. Non, 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 la base militaire. Oh, oh, où est-ce que c'est? C'est là le chat. Est-ce que ce serait pas là? Je sais pas si je suis censé avancer comme ça avec un hélicoptère là. Vas-y, continue par là dans le doute pour l'instant. C'est bien. Par là, c'est bien. Je dirais que c'est... Oui, c'est là. J'ai trouvé. Ok, guide-moi. Alors... Putain, j'arrive pas à faire des... Tout droit. Je dois la bonne direction là. Ouais, c'est bien. Ok. Faudra aller un peu à droite. Va, je crois, mais je sais pas comment on fait. Va un peu à droite. Ouais, ça ira. Ton putain. Ouais, là c'est bien tout droit là. Alors, il y a une touche pour faire moins de bruit dans l'hélico, je vais la chercher. Ouais. Je veux bien. Quoi l'essence? Mais y'a le plein. Il y a marqué mon voyant, il est en plein. Quelqu'un sait pour le moteur? Ok, c'est bon, faut maintenir F pour couper le son. Stop. Arrête. Ah, on peut pas on peut pas baisser le son du véhicule. Putain de merde, parce que j'ai lu dans le chat et j'ai rien dit. Au pire, baisse les effets dans ton son. Ah, il me semblait que c'était possible, mais bon. J'ai baissé les effets pour que ce soit plus... C'est pas grave. Allez, je laisse avec le son de l'hélico. Je suis bien ou pas au niveau de la direction? Alors. Ouais, ça va, ouais. Oh, on est presque arrivé, c'est à droite. C'est un petit peu à droite, là. Tu vois la ville? Ouais. Il y a le truc, tu sais, le grand bâtiment, le grand hangar, c'est à droite. Encore à droite là. Voilà, la boule. Tu te souviens de la boule? Bah, il y a la boule là. Ça te dit un truc, la boule, mais je la vois pas. Là devant. Il y a le hangar à droite, les tentes derrière. Ah oui, la boule. Ah oui, c'est là. Là, ok, on est arrivé, là. Putain, pour me poser, mec, il faut que j'aille dans un champ. Ouais. Ouais. Je vais te mettre en auto-over. Oh là, il active le auto-over. Tu vas pas se passer. Attends. Oh putain. Ok. Attends, on se fait poursuivre, on est des coups ou pas? Je sais pas. Alors, auto-over. Ok. Oh, y'a un autre hélico en dessous de nous. Y'a un autre hélico. Ils sont peut-être pas contents qu'on... Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il veut? Au pire, on leur laisse, on s'en fout. Hein. On voulait juste venir ici. Juste l'emprunter. C'est contrôle pour descendre?
Ça marche là? Je descends? Là tu descends, oui. Attends, je regarde le manuel. Ah ouais, mais je sais pas. Ah, c'est W. W. Ok, c'est W. Oh là, il y a des lignes électriques. Oh là, 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 oh là. Pas trop vite, pas trop vite. Oh là, oh là, oh là, voilà, oh là. Parfait, parfait. Oh putain, t'es bien, oh, t'es bien, t'es bien. Oh non, ils sont écrasés. Ils sont écrasés. Ils vont dans les forêts. Ils sont dans la forêt. Ok, ne fais pas comme eux. Alors là, mec, si j'y arrive. Eh, je crois que tu vas y arriver là. T'es pas mal stable, t'avances un peu. Essaye de. Ouais, ouais, ouais. Oui, monsieur. Comme ça. C'est comme dans du beurre. Voilà, c'est beurré, comme une belle brioche. Oui, oui. On applaudit, s'il vous plaît. Oh, attendez. C'est bon? C'est bon. Maintenant, c'est on bon applaudit. C'est bon, t'es posé. Oh putain. Wow. Oh la vache, j'ai réussi. Incroyable. Mais quelle aventure, mais quelle aventure. Ah, je t'avoue que j'ai eu peur, mais ça s'est attends, bien passé. On va voir là-bas. Ouais, il y a peut-être des cadavres là. Putain, incroyable, oh, c'est tellement bien, on a tellement bougé d'endroit si rapidement, ça manquait des... Ah, on va faire les tentes après. On a chouré leur hélico, mais qu'à la base ça se fait pas. Ouais, mais ça c'est DayZ, tu vois. Tu laisses pas ton hélico. Ouais, j'avoue, avec les autres en plus. Et le oh mec là se pose à électro, il ferme même pas les portes, il croit qu'on va pas le prendre. Moi je le vois, je prends, hein, c'est tout. Je sais pas si leurs cadavres sont petit 1 toujours là, petit 2 là où il y a le point d'impact, ou petit 3 là où il y a le crash d'hélico. Imagine, ils sont pas morts, ils nous attendent. Ah bah quand même, avec une sacrée explosion, ils devraient être morts. Oh mon dieu, j'avais pas vu que... Ah, ils sont là! Attends, tu vois le mec accroupi? Oh oui, je le vois! Oui, 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 je le vois. Je peux pas attendre son cadavre! Il y a rien dans le Little Bird, et dans son cadavre, on peut pas savoir. Ah ouais, son Little Bird, il a pris cher. Ah putain, ça fait chier. Bon bah, on va faire les tentes. Il y a rien dans le Little Bird, vraiment? Non. Par contre, si tu veux, je peux prendre son moteur. Pour être sûr qu'il ne démarre pas là. Ah non, je peux pas. Il est pété, ouais, il est défoncé. Ah putain, si seulement. Ah, il a plus de tête, mon dieu, il s'est fait décapiter pendant le choc. Je vais voir aux tentes. Parce que pour l'instant, ouais, j'ai une arme de merde, j'ai un scorpion. C'est très bof. Quoique, je sais pas. Monte sur le dos de ton mate. Attends. Reviens ici. On peut faire ça? Comment on fait? Franchement, j'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas non plus, mais ils m'ont vraiment intrigué à me dire ça. Comment attends, on fait? Bouge pas. Oh! Ah non, oui, non, d'accord, je parle de. Il parlait pas de. Adadak et des fourchons, il parlait de. Ok, attends, c'était où le crash? Là. Là. Je pensais que j'allais te prendre C, genre t'allais monter sur mes épaules et on a fait wouh! Mais. J'avais pas compris qu'il parlait de ça en mode. Ah ouais, non, vas-y, faire tiens, un vieux jump quoi. Monte sur moi. Sans glisser. De l'élan, je pense. Wow, c'est bugué. C'est grave dur, attends. Ça me fait passer direct quand je suis sur. Ça t'éjecte ? Un peu, ouais. Attends. Ah, tu crois que c'est pas possible ? Ouais, je pense pas. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Ouais, ça me fait passer direct. Ouais, y'a peut-être moyen que ça t'interdit. Accroupi jump, apparemment. Accroupi si, jump. C'est possible. C'est possible. Là, les gens me demandent pas parce qu'ils le disent tous. Bah, je glisse, en tout cas, quand je suis sur toi. Ça marche, mais faut anticiper. Jump accroupi. Wow. Ok. Attends, je réessaye. Oh, si c'est trop compliqué, mec. De toute façon, tu sais quoi, regarde, il a l'air d'avoir rien. Hein. Avant que ça soit juste visuel, mais si c'est vraiment tout ce qu'il a sur lui, c'est-à-dire rien. On va mourir de soif et de faim à cause de cette connerie. Moi, je m'en vais. Ah, c'est beau. Ça suffit. Mais par contre, mec, j'ai faim. Hein. Ouais, moi aussi. Je vais essayer de bouffer des pêches au sirop, mais là, je sais même pas comment les ouvrir. Des pêches au sirop. Ah, j'ai une prune. Ah, j'ai un can opener si tu veux, si t'as un truc qui nécessite d'être ouvert avec ça. Ouais, là, j'ai essayé de le faire. Le faire. Oh, le. C'est bizarre, je le faire. Ah, c'est bon, je le fais avec ma hache.
Ok, on va être bien stuff, je pense. Avec ce qu'il peut y avoir là-dedans. Ah putain, par contre, mec, on ne voit rien. Quand je te dis qu'on ne voit rien, c'est on ne voit rien. Le loot, en fait, si tu maintiens pas de table dans les tentes, ouais, il passe complètement inaperçu. Alors... Ceinture tactique. Ah, ceinture tactique, c'est bien, ça permettait d'avoir plus de oh, loot. Oh, la belle arme. Qu'est-ce que t'as? Bah, c'est un sniper. Un SK-5966. Et j'ai un chargeur de ça, je crois. J'espère. Le fusil. Pourquoi tout le monde me dit le fusil? Merde, j'ai pas de chargeur. Vous avez vu un fusil? Premier tente, la car. Oh non, c'était celle-là que je devais avoir. Celle-là. Oh non. La fameuse. Putain. Bon, merci le chat. De toute façon, là, il n'y a pas de chargeur avec. Ah, faut charger balle par balle. Ah. D'accord. C'est super dur quand même de... C'est super dur de pouvoir looter. Ah, c'est un jeu... où c'est pas toujours beaucoup de plaisir, hein. Wow. Attends. Oh mais il est déjà là, c'est pas possible. Attends, le filet de camouflage là, j'arrive pas à le mettre, mais on peut le mettre. Ouais, une c'est grande tente. Tu peux mettre les balles dans les slots. Je peux pas la prendre. Ah. Prends la grande tente, on sait pas à quoi ça peut servir, mais bon. Ah ouais, j'ai pas la place pour ça. J'ai un SK-56, c'est ça que t'avais ou pas? Non, j'avais un CR-61 Scorpion. Ok, bah du coup là j'ai un fusil. Putain, faudra que je fasse le point sur les balles et les chargeurs qu'on a parce que... Ouais, je comprends rien le chat. Mais je pensais qu'il y avait plus de tentes que ça. Ou alors on n'a pas dans les... Je te disais le chat, je comprends pas le... Oh. Oh. Prends ta hache dans le dos. Alors, ouais, j'ai pas compris non plus le système encore. Le système du dos là, je comprends pas déjà. Je sais pas combien okay. On peut avoir dans son soi. Dans le dos, c'est bon. Ok. Merci bien. Maintenant ça, je... Non, ça a pas l'air de... d'être compatible, ça. Ah, c'est pour dissimuler votre base. Putain, j'ai pas lu en même temps, je suis un connard. Ouais, ça c'est beaucoup trop énorme pour être pris. Bon, tant pis. Vous pouvez mettre deux armes dans le dos. Wow. Ça ah ouais. Et comment on fait pour savoir... comment ah la ouais. Mettre... Ah non, mais ça remplace la hache, non? Non, là j'ai mon fusil et ma hache dans le dos. C'est grave stylé. Comme ça. Attends, si je prends mon flingue dans la main. Ok, je peux avoir une arme en main et deux armes dans le dos. En fait, je vais switcher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, c'est pas mal ce système. On apprécie ce qui se passe. C'est vraiment pas mal ça. Par contre, ma hache, comment je la récupère? Genre, là ma hache elle est dans le dos, mais je l'ai stockée. Ah là, équipement. Ok. Ok. Stylé. Prends la tente. Du coup, tu peux prendre la tente dans. T'as pris la grande tente? Bah, je vais pouvoir la prendre maintenant. Je pense. Okay. Ça prend beaucoup de place tout ça.
Mets le viseur blanc sur le SK. Ouais, je savais pas si c'était compatible, je me disais que je vais regarder après. Une veste tactique. Veste tactique. Oh, les tu veux potes. Une veste tactique ça a 30 places seulement. Je sais pas non, si c'est... c'est comme ce que j'ai. La veste de police. Je pense que c'est bon. Ah, je peux pas mettre le viseur sur ce truc là. Alors le SK, c'est quoi qu'il lui faut comme chargeur? Moi j'en sais rien. Regarde la description du truc. De mon flingue? Ouais. Un fusil semi-automatique à 10 coups de 7,62. T'as du 7,62? Ah non, mais. Avec attends. Chargeur interne. Attends, c'est insane. La radio, ça sert à rien, non? Radio portative. Prends-la, prends-la, on sait jamais. Ouais, non, mais j'ai plus la place, mec. Je peux... La tente, je pourrais jamais la prendre, là. Ah bah vas-y, moi. J'ai de la place, je crois. C'est gigantesque, hein. Je vois pas comment la prendre. Pas de chargeur, tu charges dedans, d'accord. T'as du 7,62 ou pas? Il m'en reste 6, mais j'en ai que 3 dans mon arme, là. C'est un peu la. Alors, c'est un peu je la... peux prendre la radio la et la tente. La tente, je sais pas comment la prendre, je sais pas comment faire de la c'est place. C'est gigantesque. Hein. Je vais peut-être pour réussir à faire de la place avec autre chose. C'est bon, j'ai réussi à prendre la tente. Vire les torches. Attends. Bas la tête cuivrée. Ah ouais, les torches, j'avoue, on s'en bat les couilles en vrai. Pourquoi et noir. Je garde ça, moi je suis un connard. Déchambre ton chargeur d'AKM. Ah ouais, attends. Chargeur d'AK, ça marche aussi, non? C'est quoi ça? Boîte de balles, ça n'a rien à faire là. Ouais, mais comment on décharge? Comment on décharge un chargeur? Quand tu l'as en main, je pense que. Mets-le en main, je crois que tu pourras le faire. Alors, par contre, pour l'avoir en main, c'est compliqué parce que je suis obligé de switcher ah, l'arme. Le serveur a craché, le serveur a craché. Ah. J'espère que ça n'a pas tout baisé. Tu peux tourner les objets dans ton sac pour les mettre à l'horizontale. Intéressant. Ouais, avec espace. Ça c'est bien. Je l'avais vu par hasard tout à l'heure. Je vais quitter. Ah mais j'ai peur d'afficher le serveur quand je quitte pas le jeu. Ah, ça moi je quitte tout et je relance et ça affiche pas. Je préfère parce que. Double R pour décharger. Ouais mais si je l'ai pas en main. En fait parce que le problème d'avoir trois armes. Enfin on est d'accord que par exemple t'as ta hache, une arme et t'as ton arme dans la main. Ok. Mais du coup t'es condamné à avoir forcément un truc en main tout le temps. Avec ce système là, non. Parce que tu pourras jamais plus rien avoir en main parce que t'as que deux places dans le dos. Sauf si tu le remets dans le sac à dos quelque part, si t'as de la place. Ah ouais. Je crois que ce soit le cas. Je pense que c'est ce qu'il fait. Vous pouvez montrer le serveur. Ouais, j'ai pas de place. Ok. Comme tu veux, gros ton. Oh putain. Quelle violence gratuite. Ah du coup oui, il faudrait que je prenne le camouflage de tente maintenant, mais il est peut-être plus là. Putain, c'est ce que je voulais faire, mais eh ça ah crache. Oui, merde. Parce mais qu'avec attends, le camouflage... Moi j'ai la tente et toi t'as le camouflage de tente. Bah je... Là je l'ai pas encore, il était par terre. Je faisais de la place. Comment ça, si... numéro de file d'attente 1 ouais. Je suis 1 dans la file d'attente. Moi je suis 2. Quoi, il y a trop de joueurs sur le serveur? Je sais pas. Oui, la troisième arme en fait, elle est forcément dans le sac à dos en fait, enfin dans le stockage. J'avais un peu mérité de l'arriette au saumon, moi, non? T'en as en fait? Bah oui, je n'ai avec des blinis. Ah ouais, bah putain. Ah ouais, bah putain. Ah la salope, putain. Alors, il y a une grande tente devant moi à mon pied. Est-ce que ça a fait spawn le loot de tout à l'heure? Non, c'est bizarre ce que j'avais ah, dans si, mon sac à dos. Si, j'ai le. Tu l'as dans ton sac à dos là? Bah, tout à l'heure j'avais pris la grande tente. Donc pourquoi maintenant elle a mes pieds, si c'est la même? Ah, ça a peut-être craché avant qu'on fasse tout non, ça. Non, je hein. l'ai. Je l'ai dans mon temps, dans donc mon dos là. Donc on l'a dupliqué. Bah ouais, visiblement. Bah nickel alors. Donc par contre, vu que j'ai la grande tente, mais que j'ai pas la place de ranger mon arme. Je fais comment pour prendre un truc en main? Je l'ai dans le cul, forcément. Oui. Probablement. Ah, j'ai le fion pourri, là. Remplacer, peut-être. Non, je peux pas. Faut que je jette par terre. Ouais, effectivement, je suis ah, obligé. Ah, les lags. Damien. Quoi? Je viens de trouver une roquette.
What the fuck? Alors il est là le lance-roquette du coup? Il est pas loin? Putain, si tu trouves le lance-roquette, mec. Ah, ce serait quand même pas mal, hein. Parce qu'il y en a pas mal des hélicos qui tournent. Moi, je suis pas contre un petit essai, hein. Vous avez pris des clés d'hélicoptère? Bah, il y avait pas de clé, donc bon. Ouais, il y avait pas vraiment de clé, j'ai l'impression. Non. Mais la grande tente, moi, elle m'emmerde. Ouah, sacré veste. 42 places. J'ai tout un tas de balles. J'en ai pas mal aussi, ouais. Mais vraiment... Je sais pas si c'est très utile. Hop. Oh, j'ai pu mettre un viseur. Ok. Ça, c'est quoi? Une lampe? Je peux la mettre dessus? Ah, je peux pas. Une autre roquette? Ça commence à être indécent. Oh, il faudra vivement trouver. Faut me donner le. Ça prend tellement de place en plus, c'est énorme. Oh, c'est trop gros. La tente sert à rien? Ah ouais? Ah ouais? Parce que ça prend tant de place, je me dis si on peut l'enlever. Après, on peut essayer d'en faire une là pour voir quoi. Pour le délire, tu vois. Ouais, on peut. Je la prends dans mes mains. Pour le délire total. C'est un gros bazar. Et là, j'en fais quoi? Choisir l'emplacement. Bah écoute, on va s'installer là. Vas-y. Oh, oh, ça a l'air stylé! T'as pousse-toi? Wow! On dirait qu'elle était dans la map. Elle oh, est incroyable. C'est trop bien. Attends, je vais essayer d'ajouter du camouflage. Tu peux la camoufler là maintenant? Je sais pas. Là, je l'ai dans la main. Mais c'est tellement stylé! Wouah, ça, tu mets ça dans une forêt! Alors là, ça marche pas du tout, mais bah, tu mets oui, ça dans une pas. Forêt! Mais attends, oh, y'a peut-être un con qui va la looter en se disant, mais y'a pas de stuff dans cette tente! Y'a 400 places dans ce bordel! Oh. Ah ouais, ça vaut le coup! Bah attends, mec, bah non, je suis désolé, y'a une autre tente là, j'ai envie de la. T'as pas de la place pour une tente, franchement? Là? Bah non, bof, mec, je peux pas non plus prendre deux roquettes et une tente quoi! Au bout d'un moment, c'est compliqué quoi! C'est vraiment compliqué! J'ai une balle là-dedans ou pas? Non, j'ai pas de balle, pourtant j'ai éjecté des balles. Ça tire du quoi ça? Ça tire du 7,62. 5,56. 7,62,39. Ça va là-dedans. Ah, et quelqu'un m'a dit que je pouvais peut-être mettre dans mon inventaire direct. Attends, mais j'en ai mis combien là? Ça me dit pas combien j'ai de balles à l'intérieur? Oh, un couteau. T'as des balles de... Ah, il y en a, du 762. T'en as ou pas, du 762? J'en ai, mais elles sont dans mon arme. J'en ai 10, là, dans mon arme. Ouais, elles sont dans ton arme, ok. Des graines de poivron. Oh, oh mec, mets-nous, rince-nous! Eh, ça, j'aime bien, ça. Hein. Ça va être pas mal, ça. Alors, si je mets du 762 dans mon inventaire des raccourcis direct, est-ce que si j'appuie sur 5, ça recharge? Non. Mais est-ce que si j'appuie sur R... Ah, je sais pas, on verra. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je puisse pas mettre de viseur. Ce truc là. Tu veux un. C'est quoi? C'est une lunette PSO. Une lunette de grossissement 4 fois avec réticule éclairé par pile pour les fusils de type KA. Peut-être que ça peut marcher. C'est un fusil KA que tu as? C'est un SK. Donc ça va sûrement pas marcher. T'as une boîte pleine de 762. T'as looté toutes les tentes ou pas?
Oui, peut-être pas toutes. Mec, il nous faut le rocket launcher. Mais ouais. On mais ne de peut ouf. Pas partir. J'en ai deux là, ce serait trop launcher. Dommage. Ça prend tant de place, mais je veux pas un cadenas. Pour fermer les portes d'une palissade il en bois. Il nous faut un prisonnier. C'est juste pour fermer une porte, je suis désolé. Putain. Ouais, je sais. Toujours là pour briser les rêves des jeunes. Il y a tellement de types de munitions différentes, c'est frustrant de devoir tout prendre et de pas avoir de place. Oh, du sprite. Ouais, ça se fait plaisir, ça. C'est trop bien. Ouais, faudrait qu'on trouve un supermarché, c'était trop bien les supermarchés. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié les supermarchés. C'était Seaworth. Oh, un fusil à pompe. Apparemment, les fusils à pompe sont ultra OP. Hein. Ah ouais? Ouais. Je vais peut-être remplacer mon... AOP. Oui. Je vais peut-être remplacer mon scorpion par un pompe. Mec, j'ai trouvé quoi? Un rocket M72 low warhead, c'est ça ou pas? M72 low warhead, ouais, c'est ça. Okay, ça prend 8 cases. Oh non, mais... non, ça prend des proportions énormes. Il faut qu'on trouve un. Il faut vraiment qu'on trouve un truc là, c'est pas possible. Ah non, mais la hache, c'est bien si j'ai des zombies ou quoi, au cul. Il nous faut le rocket launcher, c'est pas possible. Oh, le pompe, il est vénère à stocker aussi. Oh, mais c'est un gilet de terrain, ça. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Je vais foutre toutes mes balles. T'as pas trouvé de grenades par hasard? C'est bien les grenades. Non. Remplace ta hache. Ouais, non, mais là... La hache, je suis pas hyper chaud pour. Mec, j'ai toute une panoplie de balles. C'est un scandale. Je suis en train d'ouvrir mes boîtes de balles. C'est comme un case opening. Je suis trop content. Par contre, une balle par une balle là, vraiment. Pouah. Allez, on boit. Mais je vomis. Pourquoi je vomis? Oh bah alors je là... dégueule. Pourquoi j'ai... Oh mon dieu, quand tu fais ta avec ton perso, il est en train de vomir aussi. T'es malade, je suis malade. Pourtant on a rien fait de mal. Faudrait qu'on trouve un puits ici. Dans cette ville. Attends, comment on fait pour se soigner? Non, bah... surtout comment je fais pour manger? Bah, j'ai je sais pas mangé. Que... Ah. Hmm. Bah je vais aller dans la ville, je vais regarder s'il y a un supermarché ou un truc comme ça. T'as raison, il y a une ville. Dans une ferme, il y a forcément de la bouffe. Je suis en train de faire les fermes, mais pour l'instant je trouve tout sauf. Il y a un bonnet. Un bonnet qui s'appelle un. Zmiovka. Un bonnet traditionnel. Ah, merci pour le maintien 5. Ok, c'est comme ça qu'on recharge. Oh. Quoi? Non, j'ai un fusil sans chargeur. En fin de compte, fallait mettre son fallait mettre ses munitions dans l'inventaire direct et maintenir la touche de munitions avec le fusil en main pour que ça recharge les balles dans le fusil. Pourquoi ça marche pas? Parce que toi, t'as peut-être besoin d'un chargeur. J'ai plein de médocs. Bon, attends, t'as quoi comme maladie là? C'est quoi ton problème? Ah, je sais pas. Comment on fait pour savoir ce qu'on a? Tu J'sais peux me pas, diagnostiquer? T'es pas médecin? Moi, j'ai des pilules de codéine, des vitamines, de l'épinéphrine, de la morphine. Un peu de tout, quoi. Je pense que c'est dangereux de prendre trop de médocs. Donc, Ah oui, clairement, on va pas tout gâcher en plus, mais... Ah, peut-être que je sache ce que j'ai. Le sigle en bas à gauche. Le pompe est plein, ok. Ouais, en fonction de ce que t'as, ce serait cool qu'on te soigne, quoi. Prends la tente, please. Oui, je veux bien prendre la tente si vous voulez, mais est-ce que j'ai la place? Ah, c'est tellement ouais. Encombrant. Je peux faire de la place, hein. Je veux pas être de mauvaise volonté. Ben... Quoi? Mais bon. Vous êtes mignon, vous voulez tout prendre. Ils sont mignons ceux-là.
j'ai pas de place, j'ai pas de place. J'ai plus de place, Kenny, j'ai plus de place. Je vais dans l'église. Par contre, j'ai pas le souvenir d'un supermarché à Starry Sobor. Tronçonneuse. Je crois pas qu'elle se, qu'elle c'est se ramasse. C'est un film avec Lady Gaga, ça. Starry Sobor. Oui. C'est un peu... Ouais, mais c'est bon, je l'ai, tu vois. Enfin, à la limite... Ouais. C'est toi qui me cours... Ah non, c'est un zombie, putain. Non. Il a un sac à dos, du coup, j'ai cru que c'était quelqu'un. Mais... Cadenas à 4 cadrans. C'est ça que t'avais tout à l'heure et que t'as pas pris? Ouais. Ok, je dois être là où t'as douté. La bouffe. Mais oui, la bouffe. Mais je sais pas. Oui. Par contre, est-ce que quelqu'un sait vraiment où... Quelle maladie j'ai ou pas? Diagnostiquez-lui un truc, là. J'ai un petit virus, je crois, affiché sur mon signe. Mais je suis pas sûr. Putain, y'a trop de zombies là. Il te faut des antibiotiques. Antibiotiques, ah, putain, c'est marrant, c'est le seul truc que j'ai pas. Oh non. Oh, quel dommage. C'est vrai ou pas? Bah ouais, en vrai. Oh merde. Ah, j'ai aussi des poches de sérum qui accélèrent la régénération du sang, traitent la déshydratation. Pilule de codéine, c'est pas des. Ça traite les douleurs. Ça améliore la respiration. Soulager la douleur des blessures graves. Non. Par contre, j'ai des graines de poivron qui sont très efficaces contre la diarrhée. Bah, tu veux pas les planter et les faire pousser très vite parce que j'ai fort. Ouais, non, je pense qu'on peut arriver à faire un truc. Hein. Je vais essayer de les planter. Et je sais pas de toi, mais moi j'ai plus de stamina. En fait, j'en ai plus du tout là. Genre, elle ne se recharge plus parce que la barre blanche est minuscule. Ah. Oui, c'est que tu dois être malade, ouais. Parce que... Ah mais ou alors t'as énormément de stockage, enfin t'as énormément de trucs sur toi, donc du coup ça t'a baissé ta stamina. Ah c'est la tente qui m'a enculé. Ouais non, la tente, vous êtes mignon, j'apprends pas à me servir à rien là. Y'a tellement de mauvais côtés, faut amener un véhicule et le transférer dans le véhicule quoi. C'est... Ah ça par contre c'est possible. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Si t'inquiète pas, je vais juste faire du bruit. Tu vas tirer ta roquette. Non, pas de truc pour la roquette. Putain mais le sac à dos d'alpinisme c'est ultra OP, c'est pour ça que t'avais beaucoup de place. Oh, ça one shot. T'as 80 places dans ce sac à dos, en fait j'en avais 30 depuis le début, un truc comme ça. Moi j'ai 80, ouais. Oh, un supermarché, on va peut-être trouver plein de bouffe. Oh oui, trouve-moi des canettes et tout, et des conserves, du saucisson là. Oh putain, un saucisson à l'ail. Oh, trouve-moi des blinis, trouve-moi des blinis. Alors attends, pour l'instant, pense pas à tes rillettes, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. J'aurais pas dû tirer, j'aurais pas dû tirer. Ah oui, t'as tous les... Moi je le fais à la hache, hein. Ouais, en tout cas, ça one shot et ça fait plaisir. Tu vas être déçu, hein. Quoi? Non, il y a des trucs. Il y a pas un seul truc. C'est incroyable. Pas un seul. Ça a changé, hein, ce jeu. C'est abusé. Fuck. Mec, on n'a pas le choix. Il faut que j'aille à l'hôpital le plus proche. Si tu trouves pas de bouffe, là, il faut qu'on aille dans une ville. Un bâton de mastic époxy permet de réparer facilement les surfaces dures. Je le prends. Pourquoi tu me fous un faux espoir comme ça? C'est du mastic. Oh, un bâton de mastic. C'est du bricolage. T'as qu'à le mâcher, Terra. Ouais, ça ressemblait à genre de la morphine ou un truc comme ça. Merde. Au pire, tu peux bouffer du mastic. Hein. Ouais, bon. Bah ouais, merde, putain, j'y croyais là, dans ces bâtiments là. Quatre coups de hache pour un zombie quand même. Je sais pas comment on démonte une tente. Peut-être qu'elle est devenue à toi la tente parce que t'as mis le camouflage dessus. Ouais, ça se tient mais... J'ai trouvé une lampe torche. C'est bien Eleonore, on est content. Je suis vraiment content. Alors j'ai réussi à retirer le camouflage mais j'aurais pas assez de place pour prendre la tente. Démonter la tente, maintenir. C'est bon, je l'ai démonté mais par contre il faut que tu la prennes. Mais comment ça que je la prenne? Pourquoi j'aurais plus de place? Ah mais t'as toujours pas un grand sac à dos en fait? Si j'ai, mais bon putain c'est... C'est bon, j'ai réussi à prendre les deux. J'ai pris mon fusil dans mes mains. Mais tu peux plus courir. Non c'est pas grave, je vais aller à l'hélico. T'as dit qu'on veut un transfert. Ah
Ok, je savais pas si on faisait le truc que j'avais dit. Ok, ouais, ok, mais attends. On peut faire le truc que j'ai dit? Non, mais je peux te. Si, si, je peux te prendre un des deux si ça va être trop galère là. Non, celle-là c'est bon. C'est juste que je suis un peu loin. Non, t'inquiète, je vais à l'hélico. Par contre, vraiment, il faut que je me soigne et que je bouffe. Parce que le virus là, je vois pas comment je peux m'en débarrasser. J'ai gerbé, ça n'a pas suffi. J'ai fait B, on va se faire un groupe. Je vais t'inviter dans le groupe. Alors, pas d'espace avec le groupe. Je me souviens, Bibix, il a dit, faut pas faire. L'invodeur a dit, faut pas faire d'espace pour le nom du groupe. Ok. De toute façon, ça marche pas. Je peux pas t'inviter. Ah, stylé. Diko est toujours là-bas. Nickel. Peut-être que je suis à côté de toi. Je sais pas. C'est pas grave, le virus, il faut que tu manges par contre. Terra, il te faut de la tétracycline pour s'en débarrasser. Ou des tablettes de charbon. Putain, d'où j'ai pas trouvé ça moi. Alors là j'ai un peu d'eau, si ça peut te... Non, de l'eau j'en ai, ça va. C'est surtout de la bouffe. Et non, juste la maladie. Ok, je continue de chercher. Ah, les balles avec le plus au-dessus, c'est des balles traçantes. Mais attends, c'est trop bien, ça veut dire que vu qu'on recharge balle par balle, tu peux faire comme dans la vraie vie, et genre par exemple toutes les 5 balles de ton chargeur mettre une balle traçante. Ah ouais, genre la prochaine est... Ouais. Ouais, c'est dingue. Toutes les 3 balles tu mets une... Mais en gros c'est un temps de préparation de dingue, bah comme dans la vraie vie c'est vachement RP, mais c'est bien d'aller jusque là dans le détail. Alors, est-ce que je peux foutre du coup la tente maintenant? Des allumettes. Pardon. C'est bon, j'ai foutu dans la... Oh non, j'ai pas la place de foutre la tente. La tente dans le Little Bird. Ah, attends, si je la penche. Pourtant, il y a masse de stockage, non? Ouais, non, c'est bon, je l'ai penché. Ah, c'est tellement bien d'avoir de la place. Oh, ça sent bon la bouffe, hein. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça sent bon, très très bon. C'est insupportable, putain. Oh. Mets du sel sur ta bite. Quand j'ai faim, je mets du sel sur ma bite et je la suce. Ça fait un truc à l'apéro. Ça fait passer la faim. C'est un coup de faim. Bah, j'ai un peu fait le tour de la ville quand même. Si, si, après utiliser la bouteille d'eau, tu peux la garder et la remplir au puits. C'est ça. Sauf que. J'ai pas trouvé le puits. Hein. Et j'aurais bien aimé trouver le puits parce que là. Je suis un peu. T'as des gourdes en plus que tu peux remplir, non? Ouais, j'en ai pas là, mais... Non, mais obligé, il y a un puits ici. Vous savez où il est? Vers quel bâtiment? Vous savez. Vous connaissez Starry Sobor? Je commence à connaître le jeu, là. Oh, c'est tout? T'as des balles de... Église. Ah, t'as des balles de... Putain, j'ai que du 45 ACP, sérieux? Qu'est-ce qu'il te faut? De 9, 19. 9 x 19. T'en as ou pas? Du petit 9 mm là, comme ça. Moi, je peux t'échanger toutes les balles que tu veux, là. Dis-moi les balles que tu veux, je te les donne. Hein. Pas de soucis, c'est pour j'en moi. J'en ai pas. Mais je me semblais que j'en avais. On n'a pas, hein. 5,56. 5,45. 45 ACP. 380 ACP. Couper buisson. Je me suis fait un long bâton. Bien. Pour marcher. Si, bien vu, je sais où il y a du 9 mm. Dans une des fermes, j'ai laissé un scorpion et il y avait du 9 mm dedans. Ouais. Donc, je vais trouver le puits d'abord, mais... Et comment on allume le viseur point rouge de son arme? Parce que j'ai un viseur point rouge qui marche avec une pile, mais là, il y a juste la vitre. Je suppose qu'ils peuvent... Il te faut une pile. Ah. Vous pouvez m'aider pour le puits? Putain. SVP. C'était là. Mais genre, dites pas là.
S'il vous plaît. C'est trop... Le scorpion, non, c'est du 380, pas du 9. Bon, ok. On va reprendre les dico, hein. Ouais. Manipuler, ça veut dire quoi? Juste derrière l'église. Mais pourtant, j'y suis allé. Genre... C'est moi qui est gogol, hein, sûrement, mais... Hey, gogol! Eh oh, gogol! Là, je suis derrière l'église. Ah, le bâtard. Ouah. Je sais plus à quoi il ressemble, le puits. Ça se trouve, je le vois. Est-ce que si je prends ma radio dans les mains, je peux l'utiliser? Ah oui. Je peux simplement changer de fréquence. Là, putain. Ok. Faut une pile aussi. Mais putain, c'est un simulateur de pile ou quoi ce jeu? Et attends, après il y aura un type de pile. Triple A. Non, là tu as deux double A, ça marche pas. Il faut pile plate alcaline seulement. Tu sais, il faut les grosses piles que personne n'a. Alors c'est où que je vais pouvoir trouver un hôpital là? Ça doit être dangereux. Dans quelle ville il y a un hôpital pas loin d'où on est? A savoir que nous sommes ici. 4 fois ça et suffit. Au nord il y a l'airfield. Ah oui d'accord. Je vais juste remplir. Mais attends, la Croix-Rouge c'est un hôpital? Donc on est entre deux hôpitaux? C'est moi qui ai mis un repère peut-être. Mais tu l'aurais pas. Ah ouais? Parce que t'as mis des croix rouges sur des bâtiments? Bah j'avais essayé de mettre un repère quand on essaie d'aller à Starry. Donc Donc c'est peut-être pas ça. Attends. Ouais non. J'ai une croix rouge à Starry Sobor là. Après. Ah oui, et sur la ville d'à côté. Ah non mais. Ah non mais c'est pas mon repère en fait. C'est pas mon repère. Bah voilà. Donc on peut aller là. Ouais. Comment elle s'appelait cette ville là? Je m'en souviens. Mais attends, c'est pas la ville où t'es actuellement? Où est la Croix-Rouge? Bah non, il y a une autre Croix-Rouge dans la ville à côté. Oui, dans la ville à côté, mais dans là où t'es, il y a une Croix-Rouge, non? Il y a un hôpital? C'était pas un hôpital, attends. C'est pas des hôpitaux? Ah ouais, c'est quoi? C'est des églises. Croyez. Ah, ok. C'est l'église. Oui, oui, c'est l'église, oui. On s'en fout de savoir qu'il y a des églises, putain. Bah du coup, vas-y, viens, on va aller dans... Ouais. Mais où est-ce qu'on peut trouver de la bouffe? Je check un dernier bâtiment pour voir s'il y a de la bouffe. On va quand même pas aller à l'airfield. Mais pour l'instant, il n'y en a juste pas du tout. On est à l'airfield pour trouver de la bouffe. Faites pas attention. Oh, tu te souviens de l'autre airfield? T'es un peu naze. À droite de la map. Il était pas tout au nord? Hop. Non, enfin, il était en haut à droite. Attends. Il y avait le château aussi. Oh, il m'a fait peur le bâtard. Oh, il m'a fait peur l'enculé. Il y a un bâtiment où il y a un mec qui est pendu en fait. Oh. J'ai trouvé du fromage par contre. Donc c'est pas que des mauvaises nouvelles quoi. Ah, Croix Blanche, c'est les hôpitaux. Ok, bah du coup il y en a un qui est au nord de l'airfield. Si c'est la Croix Blanche. Ah. La Croix Blanche dans le carré, ouais, tout au nord. Ok. Je reviens dans ce cas. Mais je sais pas où je suis. Attends. C'est par là? Oui. C'est bon, j'ai fait un marqueur. Je vais réessayer ton truc de... C'est quoi déjà pour créer un groupe? B. Ça t'ouvre un cahier. Write down. Tranquille. Create. Ah, il est déjà utilisé. C'est là que t'as déjà créé le groupe. Moi j'ai fait Wankill, ouais. Ok. Je vais marquer Wankill 2.
Ok, je l'ai créé. Et maintenant... Dans ta ville. Il y en a un au sud de ta ville. Oh, il y a un hôpital dans la ville. Dans ta... Oui. Oui, oui, oui. Pourtant, il n'y a pas de croix blanche là-haut. Ah si, oui. Si, 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 je l'avais pas vu parce que c'était... Parce que ça se voyait pas beaucoup, mais oui. Let's go. T'es toujours malade ? Ah oui, je suis en train de mourir d'ailleurs de faim, là, je suis en rouge. Ah, attends, attends, t'es où ? Putain, faut que je te file le fromage. Il est bien entamé, mais... C'est quoi bien entamé ? Non, c'est toi qui l'as bien entamé. Non, je l'ai pas croqué, ah, mais... Il est bien entamé, là, frère. mais je l'ai trouvé, il était comme ça. Ah, ok. Hélico, c'est toi ? Oui. Putain. Ok. Est-ce que je peux arriver à me poser sur le toit de l'hôpital ? Non, pas possible. Oh, ça me semble... Somme toute compliqué. Il est où ce putain d'hôpital ? Pourquoi je le vois pas ? C'est incroyable. Ah, je le vois pas là aussi. Pourtant, je regarde là. C'est au-dessus de la ville, mais... Et considère que ça, c'est un hôpital peut-être ? Ah non, mais il y a un autre hélico, c'est pas moi ça par contre ! Oh là. Ah non, c'est pas du tout là. C'est à gauche de ça. Mais je viens de à gauche. Ah oui, par contre, vous êtes deux, vous faites une danse, hein. Attention. Hein. Oui. Attends, oh. Je trouve pas l'hôpital où t'es. C'est, ça se verrait un grand hôpital quand même. Mais ouais, putain, je comprends pas. Le petit bâtiment bleu, c'est ça ? Là ? Ah ouais, je crois que j'y suis, hein, putain. Ah oui, c'en est un. Il y a des ambulanciers. Ok. Écoute Toto, je vais te poser dans le champ d'à côté si je peux. Ok. Faut déjà savoir que c'est le pire hôpital de la région, hein. Aucun doute. Ah, ça va. Alors. Bonnet d'infirmier. Non merci. M'a appelé Toto. Kit de test sanguin. Poche de sérum, comprimé de charbon, c'est bon. Oh yes! C'est bon. Mais il va arrêter ce con de déco? Terra? Ça a bugué. J'étais à l'intérieur et j'ai entendu un gros bruit. J'ai coupé le moteur et l'hélico a commencé à glisser en arrière. Aïe 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 aïe, avec l'autre hélico à côté là, qui regarde... Est-ce que je vais voir ton cadavre ? Oui. T'es où ? Ah. Oh, y'a pas un modo qui peut me téléporter à côté de l'un, s'il vous plaît ? Gros ton ! Ouais, par contre, ton cadavre, il est inaccessible, là. Oh. C'est vrai ? Ouais. Attends. Parce qu'en fait, t'es au volant, c'est ça l... mais... Tu t'es fait décapiter ? Ah, moi aussi, décidément. Oh, merde. Breton, si tu peux me TP Uyalin, ce serait parfait. C'est toi là ? Non, bah non, je suis pas là. Là, ah, c'est moi maintenant. Attends, parce qu'il y a un mec. C'est qui lui ? Sois menaçant, mais ne tape pas. Ouais, on va vous demander de circuler quand même, on est un peu occupé. Pourquoi il a fait apparaître un hélicoptère ? Putain, je crois, Terracide, que t'as pas explosé. C'est Groton ? Attends, mais ce serait pas Groton. Incroyable.
Je lui ai demandé de circuler. Je vais pas exploser ? Mais oui, c'est moi, tu crois que c'est qui ? Saute sur moi, essaye de récupérer ton stuff. Il m'a engueulé ! Je retourne à mon hôpital, il m'a vexé. C'est comme ça, je me casse. Oh ! Alors. T'as vu, c'est technique le saut. Hein. C'est bon, j'ai mon stuff, ça a marché sa technique. Mais non, excellent. Et en plus, t'es plus malade. Groton ! Ne plus de GG pour Groton dans le chat. Ouais, mais il m'a engueulé cet enfoiré. Bah, il a eu raison, t'as vu ce que t'as fait. Je le déteste. Ouais, bah, j'ai un défibrillateur, crois-moi que je vais le garder pour moi. Ah non, t'as rien fait. J'ai absolument pour rien. Oups. Ouais, par contre, putain, ça prend de la place cette merde là. Pantalon de pompier, mais oui, mais pantalon de pompier, moi je veux bien le remplacer, mais. Comment ah, c'est bon. Comment on fait des bandages avec des rags? Oh non, mais par contre, j'ai pas mon fusil. Demande à Groton en vocal, est-ce que je peux pas lui parler? Bah, il t'entend. Groton, sur comment, Discord, comment je fais pour récupérer mon fusil qui est dans ma main? D'ailleurs, il a dit qu'il m'aimait au fond sur Discord, mais j'ai toujours des doutes. Bon, d'ailleurs, ça, on s'en bat les couilles là. La poche de sérum, je pense, c'est rendre la chiasse. C'est cuit? Qu'est-ce que je peux jeter dans mon inventaire là? J'ai beaucoup trop de trucs. Mais défibrillateur, ça doit être utile. Non, c'est bien en vrai. Ah ouais. Oh! Merci Groton! On peut aller avec les lunettes et les autres et. Attends, quoi, il t'a donné des trucs de ouf? Non, il m'a juste redonné mon arme, mais il m'a mis la lunette avec. Ah, le petit bonus. C'est parce que c'est pour s'excuser du serveur qui a bugué. Le bonus. Merci, Groton. Je déteste dire Groton, parce que j'ai l'impression vraiment que je l'insulte à chaque fois, c'est pas possible. Bah, c'est pas ouf, hein, franchement. Est-ce que tu peux récupérer la tente? Tu me parles plus? Attends. Pardon, je suis focus sur un truc de merde. J'essaie d'arranger mon inventaire pour que. Mets le pompe dans ton dos. Ah non, mais j'ai ma hache normalement dans mon dos. Elle est par terre, la tente, non? Je sais qu'elle est par terre, mais c'est parce que j'ai plus de place, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il la prenne. Ouais, moi c'est on a un hélico. Moi c'est la même, j'ai ultra pas de place, bah il faut la mettre dans l'hélico. Groton nous a passé un hélico, donc c'est bon, je peux refaire le transfert. Ouais. Et du coup, je suis plus malade. Parce que là, si je fais ça... Ah non, c'est bon. Ça a l'air d'aller là. Putain, c'est gros le fromage. Je vais le manger, tiens. Attends, tu veux pas faire profiter les potes? Mais te respawn toi, t'as plus faim non? Un peu faim, mais ok. Je bois alors. Vas-y, reviens à l'hélico, on va aller où? Jette ta hache, le couteau fait largement le taf. C'est vrai ça ou pas? Ça m'arrangerait de ouf. Si c'est vrai, c'est cool. Ça tire là-bas. Attends. C'est quoi ce viseur? Y'a un problème. Attends, il est pas pratique du tout, je peux... Hein? Ouais, bah, il marche pas le viseur. Vas-y, je vais vous écouter. Oh bah tu vois le bonus que j'avais, c'est pas un bonus. Ah si, molette du haut par contre. D'accord. Oh, autant pour moi. Ah.
Ok, tu peux viser avec la lunette et sans la lunette. Vas-y, mais mon fusil à pompe, il est où là? Ah, ok. Putain, je suis en galère. Oh, c'est trop bien ça. Ok, là on est bien. Embarqué. Alors, maintenir les lumières allumées. Démarrer moteur. Ah c'est bon, c'est les lights. Tu viens? J'ai peur de décoller ouais. Sans toi. Vas-y, j'arrive. Merde, t'as des barrières. Oh là non, ça se redécale. C'est un arbre, voilà. Putain, j'ai vraiment eu de la chance là, mais ça se redécale cet hélico de con. Je touche à rien, il bouge. Bon, faut que j'aille vraiment sur un grand terrain vague. Et je vais me mettre au sol mais sans couper le moteur, parce que c'est quand je vais couper le moteur tout à l'heure, c'est ça qui va tuer. Donc, tu viens dans le champ. Ouais, je te suis là. Éloigne-toi les arbres, éloigne-toi les arbres. Mais je saute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis évanoui. Attends, t'es où? Je te vois même plus. Je suis au sol. Attends, il fait noir. Je suis mort ou pas? Ah, j'ai pas de pile dans ma lampe. Attends, je te cherche là. Quelqu'un a vu où il est tombé? C'était juste devant moi. Mais où est-ce que t'es? Je suis inconscient. Je vois rien. Ah, je t'entends courir près de moi. Ouais. À droite. Puis maintenant. Là. Ah, c'est bon. Attends, je me suis réveillé. Ah, oh, t'étais là. Ok. Qu'est-ce que je peux te donner? T'as mal, non? Mais attends, mais notre hélico... Notre hélico, il s'en va. Il est là-bas. C'est pas possible. Je sais pas où il s'en va, mais il s'en va. On a pas entendu d'explosion. Juste, il est parti. Mais il s'en est en allé. Mais il est... Attends, il a pas explosé. Hein. J'ai plus de vie. Il y a quelqu'un. Ah non, il est là. Il est là, l'hélico. Ça, c'est qui? Salut. C'est notre hélico, ça? Ouais, je pense. Probablement. Non, on l'entendait au loin, pourtant. Bah, peut-être qu'il a fait une chute vraiment pas très grave. Et comment on peut avoir de la vie? Alors, comment on se remet de la vie, le chat? J'ai... Ah non, c'est pas notre hélico, y a pas de tente dedans. Ok. J'ai plein de choses sur moi, mais je sais pas trop... Parce que je peux pas courir? Ouais, il faut de la vie. Faut attendre pour la vie? Ah ouais? Ok, je veux bien. Excuse-moi de te déranger, gros ton, si tu m'entends. Est-ce que tu peux nous remettre un hélicoptère, s'il te plaît? Mais cette fois-ci, c'est l'un qui va le contrôler. Non mec, non mais t'es un ouf, je sais pas faire ça. Ok, vas-y, on va tester. En fait, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le contrôler. Tu vas faire un petit tour de la ville, mais je vais pas monter avec toi. Mais non, mais t'es un ouf. T'as essayé deux fois, t'as pas réussi. Je vais me niquer. Putain. Ouais, mais attends, je vais pas monter avec toi si c'est pour mourir. D'abord, tu fais un petit tour de la ville. Tu vois si tout se passe bien, si t'arrives à prendre les commandes en main. Mais t'es un ouf. Attends, vu que je te vois pas, je te propose de mettre une flare. J'en ai plus là. Ah, j'ai pas. Voilà. T'étais juste là finalement. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un lance-roquette, man. Ah, je sais bien, mais... Contacte Groton sur Discord pour lui demander s'il peut nous donner un hélico. Terracide. À baiser l'hélico. Il va t'engueuler, il va te défoncer. Ouais, c'est 100% de ma faute, j'ai sauté au lieu d'appuyer sur... En fait, j'ai maintenu F au lieu d'appuyer sur F. Ah, bon, ça va, c'est léger quand même, hein. Faudrait faire attention à ça. Tu peux attacher une flare à ton sac. Oh. Comment est-ce possible? Le sérum pour la vie. Poche de sérum.
Tiens, je te drop un sérum. Regarde si tu peux. Et comment je l'utilise? Ça, je sais pas. Je l'ai dans la main là, attends. Ça fait rien. Alors, je voulais voir un autre hélico que vous n'avez pas vu encore. Ah, bah oui, oh. Alors là. Et il est plus compliqué à conduire. Ah, il attendait un signal parce que t'as pas. Moi, je peux pas parler en vocal. T'aurais dû dire oui. Oui. Wouah, oh, non, mais putain. Mec, je peux pas conduire ça. Mais il est incroyable. Non, mais. Moi, ce sera avec plaisir. Je le conduis si tu veux. Ah, non, mais en fait. Après, je sais moins bien conduire que toi, théoriquement, mais. Parce que t'as un peu d'expérience. Je sais pas. Attends, je suis à la place du pilote là. Attends, je. T'es rapide, si tu le plantes celui-là, je te laisse décoller et je t'explose au RP. je le tente ou pas? Tu veux le tenter? On est d'accord que je vais juste faire Shift, ZQSD, AE, et je vais m'en sortir. Oh, alors, il est plus lourd que le Little Bird que t'as conduit, jusqu'à présent. Moi, j'ai jamais conduit. Mais oui, c'est exactement les mêmes. Contrôle que l'hélico. Ok, bah pas de problème, attends, tu vas voir, je vais bien y arriver. Attends, moi je vais quand même faire ma théorie du je reste dehors pour regarder. C'est pas tant de ouf. C'est pas tant de ouf, en plus je vais conduire voilà. De nuit. Vous êtes des tu fous. Tu le conduis, et ensuite tu me dis si tout se passe bien, d'accord? Pour l'instant ça va, fais un petit tour et reviens. Vous pouvez me remettre une flare là? Je sais pas où vous êtes. La flare est au sol. Ouais, ça fait bader quand même hein. Attends, je sais pas trop où je suis là. Si, ouais, ok. Ok, oui, alors mets-toi en première personne. Et appuie sur F pour stabiliser l'hélico quand tu veux te poser. Ok, la première personne ne marche pas. C'est bugué. Je peux pas te dire à gros ton, je peux pas activer le vocal. Tu vas devoir te poser à l'ancienne. Ah, c'est bugué mais t'as l'option quand même. Je sais pas si je peux descendre. Ça, je descends là? C'est W pour descendre. Ah, oui. Ok. Alors là tu te déplaces hein. Attention, je sais pas où tu vas. Comment on se stabilise, c'est horrible. T'as fait le truc du F? Attends. C'est un mec qui te fait des signes comme à l'aéroport. Non, je l'ai pas fait. Ok, c'est bon. Ok, je monte. Aïe. Attention. Ok, essaie de se stabiliser. Oh, il va me faucher. Ok, je monte. C'est bon, je suis dedans. Décolle. J'ai éteint le moteur, mais continue d'avancer. Ah non, c'est comme ça que je suis mort tout à l'heure. On va où? Dis-moi où on va, je vais essayer d'y aller, mais c'est horrible. Mais t'es en pilote là ou pas? Ouais, je suis en pilote. Ah ok, c'est que la première fois ça ne marche pas, t'es dans le toit. On va où? On va à l'airfield. À l'airfield? En haut, ouais. Ok, ouest. Je vais essayer de... Il me parle? Oui. Ouais. Tu m'as dit, je peux faire F. Même si la première personne ne marche pas, tu te mets quand même en première personne pour que le jeu comprenne que tu t'y es mis et tu peux faire F. Ok. Ok. Je reste appuyé sur F ou je fais juste F? Non, tu fais pas comme moi, un coup F, parce que quand tu maintiens justement c'est quand tu déjectes. Un coup, ok.
Bon, c'est parti. Faudra m'indiquer la route parce que... Reste pas trop près de moi, il est fou. Alors tu sais que moi je suis pas assis sur un siège passager, hein, je suis à l'arrière. Mais ça va marcher ça? Bah on verra. Pour sa fin de ses boucans. Ok, pour l'instant ça marche. Alors, la direction. Oh, il est incroyable le jeu. C'est bon, c'est bien par là? Dire ça... Non. Non, c'est... t'es pas en train d'y aller là. Ok, attends. Oh putain, ça fait peur hein. Pas, toujours pas par là? Attends, dire ça... Non, c'est à 90 degrés à gauche. Okay. Ouais, encore à gauche. Voilà, là t'y vas là, normalement. Ouais. Tout droit. Ah. T'es en train de tourner, ouais. Va un peu à droite. Ouais. T'es plus sur le bon chemin, t'es en train de faire une spirale en fait. Ah mais putain, c'est que je me déplace sur les côtés. Trop chiant. Ok, ça devrait aller. Toujours tout droit et on devrait tomber sur le... airfield. Ok. Je t'entends vraiment plus beaucoup. Moi j'ai baissé mon son. Ah, alors attends, option, son, effet. Ah, ah oui. Ah, on s'entend respirer là. Pourquoi mes lampes elles marchent pas? Je fais L. Non, L ça marche pas. Putain, vraiment c'est un miracle que je tombe pas. C'est un miracle que je me sois pas encore crashé également. Attends, on est pas arrivé. Alors, là, maintenant, c'est là l'airfield. Bah, pose-toi au milieu de la piste, hein, écoute. Pour l'instant, c'est nickel. Je suis très aligné. Eh, on peut voir le maillot jaune en tête de gondole. T'inquiète donc pas que ça va être légendaire. Je sens que là j'ai un contrôle total du véhicule. Non, pas du tout. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Moi tout ce que je sais c'est que par contre dès que t'es au sol je saute parce que si ça fait comme tout à l'heure, il va se barrer en couille quand tu vas couper le moteur. Ok, t'as stabilisé, c'est bon? Ouais. Ok, t'as juste à aller tout doucement vers le bas et ça devrait être bon. Ok. Et... c'est bon, je saute. Coupe le moteur. Oh! Putain, nickel. ça fait super mal de ouais. Sortir. Ouais, nickel, regarde là. Il est parfait maintenant. Ouh, putain, quel stress. Finalement, le fait qu'il soit plus lourd, c'est peut-être mieux. Bah, peut-être bien, ouais, parce que c'est moins sensible aux mauvaises manœuvres. Oh, je vais remonter mon son du coup. Oui, c'est vrai. Appliqué. Eh, mais j'ai faim, moi. C'est quoi maintenant, j'ai envie qu'il fasse jour et qu'il y ait un fight. C'est vrai qu'on n'a pas encore ouais, non, tiré. Mais non, tous les mecs sur le jeu ils sont beaucoup trop chauds là. On n'a pas affaire à des randoms. Ouais. Je peux te dire que les mecs qui vont sur ce serveur là, c'est des mecs qui ont poncé DayZ. Vas-y, faut trouver la nourriture là. Je vais faire plaisir au chat, voilà. Par contre, ok, mais alors dites-moi comment on l'accroche au sac à dos. Tiens, tiens, un filet de camouflage. Ouais, mais il faut l'attente. Ouais. On ne peut pas, tu peux pas. C'était de l'intox ? Putain. Au top ! Cimer pour les infos. Oh, il y avait des bâtiments trop bien à l'airfield là, les cabanons. Là, les hangars. Les hangars, les petits trucs en longueur. Je sais plus où ils sont. C'était vraiment bien ça. Ils sont où? Parce que là il y a l'antenne.
Mais je me souviens plus où c'est sur les côtés de le. Qu'est-ce que Une c'est? crosse pliante pour le SG5K. Top. J'en ai pas. Moi non plus. Ah, c'est le FG5K, je l'ai! Ah. Voilà. Ah, merci. Mais est-ce que je l'avais déjà de. C'est quand même une crosse pliante, hein. C'est vrai. Ça change tout. Ok. Ah, je l'avais déjà, malheureusement. Aïe 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 aïe, ça pêche. Ah, désolé. Le gilet d'assaut. J'en ai pas? Oh, j'en ai pas! C'est un genre de gilet pare-balles? Ah, je suis pas sûr que ça protège. Ah, Il y a ça a pas surtout d'étage l'air d'être dans du ce stockage. truc-là? Si, si, je suis à l'étage là. Où sont les hangars? Il y en a plus. Crosse pliante de KA. Ah ouais, j'ai pas de KA. Dommage ça. Je vais quand même essayer. Non, je vois pas sur quoi ça pourrait aller. Mais mec, je trouve plus les hangars alors qu'avant c'était vraiment des trucs assez obvious. Il y en a plus depuis la 06. Mais Non, c'est c'est des vrai. malades, ils ont supprimé ça? Mais c'était un peu trop bien, pourquoi ils ont fait C'était ça? le bâtiment incroyable où on trouvait des bêtes d'armes. Quand je dis des bêtes d'armes, c'était des bêtes d'armes. Un truc incroyable. Mais c'était très risqué d'y aller. Du coup, c'était top. L'airfield a été totalement refait. Ah oui, mais. Oh! Un little bird! Hop, petit casque pour éviter les headshots. Ça fait toujours plaisir. J'ai vu un truc là. Il y avait un objet. Ah non, hein, il y avait un objet, je l'ai vu. Ma première grenade, une fumigène. Super. Ah, ma deuxième grenade, une fumigène. Je vois rien de bien dans l'airfield. Tu veux dire que c'est de la merde? Bah, je vois pas de hangar et des trucs super lootables. Ce fou, il est en train de piloter. Ah bah, je sais pas, Mais je vois mieux comme ça. je suis à la tour de contrôle, je vais t'aider. Ouais, je vois. On me tire dessus! On me tire dessus! Après, Airfield, à mon avis, c'est full PVP là. Thomas, je vais mourir! Ah oui, ça tire là. Je te vois aller loin à toute vitesse. Système d'annonce. Mais ça. C'est un véhicule qui est là-bas! Et c'est la police! C'est la police! Je reviens. Moi, je loot. Je t'attends. J'espère que ça ira. Oh! Terra! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un lance-roquette. Oh putain! Ne meurs pas. Con de Nico! Oh sa mère. Il a refait la même connerie, c'est pour ça que je suis descendu cette fois-ci. Ok, j'arrive. De ouf. Mais mec, j'ai des roquettes, hein. Et là, on m'a tiré dessus, hein. Eh bah Juste au bout de la piste. on va aller les voir, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ok, sors de l'hôtel, viens.
Attends, je suis en train de charger ma roquette. Comment? Il y a un petit délai, hein, mais pas que c'est... Enfin... Attends, j'essaie de charger ma roquette. Oh non, c'est le mauvais lance-roquette. Attends, faut quoi comme RPG? RPG 7. C'est RPG 7, moi. Et là, c'est pour le M72. Ah ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai. Oh non. Rah, je suis deg et je peux pas l'abandonner en plus, mais il me sert à rien. Il me sert à que dalle. C'est quoi, je crois que je vais quand même le garder et abandonner mon fusil à pompe, tant pis. Bah oui, t'imagines d'en trouver un rocket qui correspond. Ouais, mais il est magnifique ce pompe. Tant pis. Oh. Mais c'est eux qui m'ont tiré dessus là. Oh, oh c'est toi? C'est où que ça tire là? Non, attends. C'est... T'es devant un bâtiment là, tu rentres dans un bâtiment? C'est qui? Non, 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 je rentre pas! Tu rentres pas dans un bâtiment? Ok. Non, non, non! Ok. J'ai eu un grave accident de bus. Comment on vise dans la lunette? C'est toi qui tire sur un hélico? Oui. Je vais peut-être le regretter, hein. C'est possible, ouais. C'est mes dernières balles. Oh putain, c'est toi? Ouais. Ça a pas marché. J'aurais pas dû faire ça. Molette? Oh attends. Qu'est-ce qu'il fait l'hélico là? Je viens avec toi parce que j'ai oh, un peu peur. Je crois qu'il va me tirer dessus. Attends, il y a un mec qui me check à l'extérieur là. C'est vrai? Ouais. Ah je oui, je le vois aussi. Il est full d'éther. Qu'est-ce qu'il fait? Il recharge. Ah, oh, il est dead. Je l'ai eu. GG. Oh, je suis un bandit maintenant. GG. Excellent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans le Far West, la raquette acide, je te laisse pas faire. Paf. Putain, mais moi j'ai pas assez de munitions là pour Il y a de la chance là que son cadavre flotte dans le ciel parce que je l'aurais bien looté l'enfoiré. Eh, hey, tu sais qu'il y a des airdrops maintenant? Ah, ils en ont mis? Oui, ouais. Ouais. Putain, c'est trop bien ça. C'était vraiment le feu. Il revient? Il fait le tour en tout cas. Putain, j'ai vraiment plus de balles quoi. Fait chier. Pourtant, j'ai plein de balles différentes, mais j'ai pas les balles qu'il me faut. Quoique, cette 62-39, c'est pas ce qu'il va à l'intérieur? Si. Si, c'est bon. Moi, j'ai 5 balles de 762. En gros, dans mon fusil, j'ai 7 balles. Après, je peux faire que du corps à corps. Un peu galère. Mais mec, j'ai tué quelqu'un dans le bus en fait. Dans le bus? Oui. À un moment, t'avais été tiré. J'ai tué un mec. Merde! Je me fais tirer dessus! Oh, je suis dead. T'es dead? Je suis dead. J'étais dans la tour de contrôle et j'ai pris un headshot. Merde. J'avais lance-roquettes, tout. Tout! Y'a peut-être moyen de te faire TP sur moi. Oh putain, j'ai des piles. Ah, ce serait de la triche. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon. C'était... Ça venait d'où? J'ai rien compris. Ce serait de la petite triche, ça va, c'est pas... C'est un stress test. Ouais, c'est un stress test, là, tout le monde se fait spawn des trucs, là, on peut bien... Oh, ça va. Tiens, lunette PU, t'as peut-être une arme qu'on aura besoin, toi, tout à l'heure. Et y'a quelqu'un qui est monté dans la tour pour te tuer? Bah, j'ai pas compris si c'était de loin ou de près.
C'est bon, j'ai mis des piles. C'est chouette. Groton, tu peux me TP pas loin de... Attends, mais il y a quelqu'un qui est avec moi maintenant. Ah. C'est toi ? Ah, tu gères. Ah, c'est moi ça. T'es pompier ? Oui. Merci Groton. Merci Groton, tu gères. Je vais me refaire tuer. Attends, t'as une arme ici, là, dans le chauffeur du bus. Ah. Il a... Bon, il a un BK 18. C'est pas ouf, mais tu peux avoir des trucs. Ouais, pour aller juste pour aller chercher mes armes. Ça ira. PK 18, il est chargé ou pas? Pas du tout. C'est quoi que t'as besoin comme balle? Du 7.62, ouais, laisse tomber, je vais faire du bluff. 7.62? Bah, si t'as une balle. J'ai du 7.62, 39, mais. Ouais, si t'as une balle, mais juste après je te la rends, c'est juste au cas où il y a un mec. Je lui fous sa tête. J'ai droppé là, non? J'ai pas droppé là? Tiens. Ah non, elle est pas par terre? À proximité. Ah si, c'est bon. Ah, attends, je la voyais. Tu les as pas là? Je la voyais, je la vois plus, attends. Attends, je la remets. Je la repose. C'est bon. S'il y a un monsieur qui prend mon stuff. Je vais lui coller une balle. Bah faut qu'on y aille là. Tour de contrôle, je vois personne. Il a une AK dans les mains, monte en conducteur pour sortir le corps. Ah ça serait bien pour toi ça. Ouais, attends, je vais essayer de retrouver mon stuff, après on va voir. Ça va bugger si je monte. Je sais pas comment on fait. Ouah, ça tire. Y'a un mec à couvert dans le bâtiment qui tire. Il est dans le bâtiment et te vise? Ah, il a tiré, ouais. Laisse tomber, contre des mecs comme ça, on a aucune chance. C'est trop fort. C'est des joueurs. C'est ce qu'on va voir. C'est des joueurs de DayZ. Je viens de tuer un mec dans un hélico et un pilote de bus. Je peux avoir un mec dans un bâtiment. Tu veux un gilet porte-plaque? Il était à quel étage? Deuxième, non? Attends, pour l'instant, je ne sais pas. Il était au deuxième étage, non? Il y a un mec qui me parle. Oui, je t'entends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de bouffe à lui donner, lui. Ah si, tiens. Monsieur ? Il y a un mec qui est venu me voir là. Monsieur, je veux juste récupérer mon stuff, je serai gentil. Après je m'en vais. Promis. Monsieur ! Oh, c'est un véhicule amphibie! T'es où toi? J'essaie de remonter dans la tour de contrôle. C'est toi qui as bien filmé Résienne Rose? Non, pas du tout. Attends, j'essaie de récupérer mon stuff. Qui est là? Wow! Ça tire pas content. Putain, mais où est-ce que tu peux monter par ici? C'est dingue, je trouve pas. C'est pas ce quoi là. Oh non! Ça va off? Oh! Comment ton stuff? Oh non! T'as le temps de récupérer quelque chose ou pas? Rien du tout, ça marchait plus. Alors j'ai une autre solution, mais c'est une solution pute. Mais je sais qu'il avait RPG, mais j'allais pas le tuer alors que le mec il me dit I need some food. Bref, j'allais dire, il y a un mec qui était plutôt, il avait l'air gentil, il était stuffé, il est venu vers moi en me disant eh, j'ai faim et tout, donc j'ai donné une poire. Et si t'as pas de stuff, il y a une technique qui pourrait juste plus de le tuer en fait.
Ouais, c'est cool ça. Ouais, toi, ça se voit que t'es vraiment le mec qui a besoin de stuff, hein. Putain, ah, moi, j'en ai rien à foutre, cool. Je le connais pas. C'est loin d'être cool. Moi, je lui ai pas donné de poire, il m'a pas donné de poire. Rien à foutre. Il mourra comme les autres. Après, y a peut-être mon stuff, hein, je sais pas. Non, je pense pas, mais genre, quand il y avait des pas, objets. T'as un reboot, là. Ah, mais la dernière fois, quand il y avait des objets au sol, c'était resté. Donc, peut-être. Est-ce que j'ai mérité de me faire livrer quelque chose de gras et de passant? Bah, t'as quand même tué le mec dans l'hélicoptère. Ouais, je mérite bien un burger, non? Tu mérites un tacos ou un gros cheese nan. Oh putain! Double steak, fromage! Ouais. Oh. Et des steaks. Des steaks. Comment ils Oui, appellent bon, on ça? va. Dégueulasse là, des trucs. Des semelles? Ouais. Vas-y, mets-en le triple. Il y a la place vu que c'est des semelles. Ils sont tellement fins. Alors, je suis donc. Ok. Allô? Pourquoi ça bouge pas? Ouais, il y a des vents en face. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Putain, bordel de merde. Ah! Il y a toujours la smoke rose, donc je me dis. Ah, c'est toi sur le toit ou pas? Non. T'es sûr? Dans la tour? Non. Ouais, t'es sûr? Non, c'est pas moi. Ok, il y a un mec sur le toit. Là où il y a la smoke rose. La smoke rose, elle est ça en haut de fait la. Tellement que je peux rien faire en fait, j'ai tellement des gros lags que. C'est en haut de la tour de contrôle? Ouais, ouais, la tour là où t'étais. Ok. Non, non, moi je suis pas encore là-haut là. Oh putain, j'ai des giga lags. C'est quoi, je monte, hein? Je crois que je vais. Amène-le sur toi si tu veux, je peux essayer de le shot. Comment ça, amène-le? Bah, je sais pas, essaie de le convaincre d'aller là où il était. Hey, je propose qu'on discute. Sur le toit. Je viens en paix, je veux juste récupérer mon stuff. Je vais rentrer dans la salle, les mains en l'air. Et on ira discuter sur le toit. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, comment ça? Je te propose juste que je monte. Alors, je mets mon arme dans mon dos, hein. Je ne suis pas hostile. Oui, oui. Voilà, bonjour. Tu es où? Moi? J'arrive. À l'extérieur. Attends, comment être sûr que t'as pas ton arme dans la main? Attends, bah attends, attends, non mais je vais la dropper, attends. Y'a un mec de tout à l'heure que je oui, peux tuer. Mais hein. Moi rien ne m'indique que tu vas la dropper. Je viens vers toi si tu veux. Je drop mon arme, je viens. Ah ouais, bon, je comprends ce que tu veux dire, mais Attends. Là, elle est droppée, hein. Voilà, elle est au sol. J'ai pas de food, connard. Je t'ai donné ma dernière poire. Non, tu veux discuter. Dégage. Bah, je pensais que t'avais mes affaires, mais je suppose que tu les as pas récupérées. Quoi? Ah non, non, je... Pourquoi? Ah, parce qu'il y avait mes affaires ici, mais je crois qu'elles sont juste plus là. Ah, donc je t'avais bien tué? C'est toi que j'ai tué ici? Oh oui, oui, c'est moi. C'est moi qui t'as tué. Attends, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Non. Tiens, je te rends parce que... Ah, c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine quand je t'en collerai une dans le cul. T'invites pas de reprendre mes affaires. Il t'a tordonné ou pas? Il m'a juste redonné un fusil.
Mon reste, le reste de mon stuff il est plus là en fait. C'est toi qui est en haut là, qui arrête de bouger? Ouais, c'est moi là. Et lui il est où? Il est dans la tour, il va. Soit il va sortir par le bas, soit. Ouais. Je sais pas. Y en a un, il va mourir là. Est-ce que je le termine? Oui. Je suis un putain de tueur en série. Oh la vache. Attends, j'en vais bien récupérer du stuff là. Oh bah vas-y, va le récupérer, c'est en bas. Va te servir. En à la sortie du bâtiment? Ouais ouais, à l'arrière. Mais non. Efficacité hein. Est-ce que c'était lui? Attends. Mort. Est-ce que c'était lui? Eh c'était lui non? Ouais il a récupéré là, le il a récupéré le RPG et tout, c'était lui. Grenade. Dedo. Pourquoi je peux RPG. Pas Pourquoi je peux Petite pas fouine, ouais. Récupérer le stuff là? Je suis un truc de merde. Des jumelles, ça peut être sur rien. Il y a une AK pour toi là, si tu veux, sur ce mec là. Comment? Qu'est-ce que... Ah, ils sont détruits. Ah merde, ouais non. Alors, au-dessus de nous, ça faisait pas de bruit, mais ne regarde pas. Oh là! Des journalistes. Non, t'inquiète, c'est juste... C'est rien. Des journalistes. C'est rien. Ah, des journalopes. Alors, le truc... Ouais, le truc. Bon. C'est qu'en fait... Là... J'ai plus de sac à dos, du coup. Et ça, c'est bof. Ça, c'est Ils vraiment font quoi, bof. BFM, au-dessus de nous, là? You are dead. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une explosion. Ouais, moi aussi, j'ai vu une explosion. Mais j'ai vu l'explosion sais... après, I was so dead. Ouais, là c'est pas. Ouais, une grenade. Ah, l'épilepsie! Ils ont lancé une grenade désert? Y'a pas des hélicos qui ont des missiles? Non, parce que de ce que j'ai entendu du visage de Bibix, y avait pas d'armement sur les véhicules. Soit une grenade, soit RPG. Ça devait être des amis de ceux que j'ai tiré. Le mec s'est vengé en 2 minutes. J'avais même pas fini de le looter que j'étais déjà mort. Putain. Il a pas kiffé de me redonner une arme et qu'après on lui la fout à l'envers. Il a vraiment pas kiffé quoi. Aïe 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 aïe. Moi je suis un écran noir là. Réapparaître. Ah oui c'est mieux. De toute façon on a pas trop le temps pour refaire toute une game. Ouais, bof, 23h44. Ouais. On peut toujours... Tu sais quoi, Groton, est-ce que tu peux nous montrer le truc le plus fun à faire là sur Days avec vos modes? Tu nous TP et tu nous montres le truc qui est le plus cool. Et reste avec nous pour nous le montrer. Mais là, j'ai un peu ça, c'est dit, bah le plus cool c'est l'hélico. En fait, Oh, le véhicule amphibie, attends, non, faut que tu vois ça. Je l'ai pas contrôlé, je l'ai vu sur la vidéo. Ça, j'ai pas vu, ouais. Mec, c'est un genre de bateau, mais surélevé avec 4 petits trous. On dirait que ça n'existe pas. Faites une gueule avec Vivix. Mais je voulais le faire, mais il jouait pas ce soir. Il jouait cet après-midi, et nous, cet après-midi, on était pas en live. C'est toi qui es avec moi, là? Ah non, t'as... Non, j'ai pas encore spawn. Je pense pas. Moi je peux pas. Non, ça faut pas parler in-game. Ça y est, je suis. Je suis dans.
Où est-ce que je suis, moi? Ça tire. Il t'a TP ou pas encore? Non. Non, non, pas encore. Mais je viens tout juste d'apparaître là. Pourquoi j'ai pas de coordonnées? Je sais pas où je suis. Il va te TP bientôt, je pense. Ouais, ah, je pense. Attends, il est plus là. Donc c'est, il doit ouais, faire un truc. C'est bon, il m'a TP. Ah, ouais. Alors Link, bon, je vais parler à toi puisqu'il y a que toi qui peux me répondre. Ouais. Attends, je mute votre stream pour pas avoir l'écho. Il y a des véhicules où on peut monter à l'arrière en fait sans prendre de dégâts et tirer depuis les véhicules, des véhicules terrestres. Okay. Des petites jeeps. On peut faire ça avec le bus aussi. Je sais pas si vous avez vu un bus sur le serveur depuis que vous êtes venu. Oui, j'ai tué le chauffeur. On a juste tué le chauffeur. Terrasse a tué le chauffeur et on ne l'a pas contrôlé. Mais... Ce que je vous propose, c'est de faire spawn les deux. Puis je sais pas si vous voulez vous pack-pack vous ou vous deux contre d'autres personnes. Et puis tirer d'un véhicule à un autre en course-poursuite. Oh, bah ça me dit c'est bien, pas mec. Mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, hein. Mais attends, mais s'ils jouent bien, on a dans le cul chaud. On irait d'ici jusqu'à Electro. Ou alors un RPG-7 qui tire depuis la Jeep sur le bus. Vous avez pas pu tirer au lance-roquettes encore? Oh non, ça en a pas pu. Non, on était presque. Vous voulez essayer? Ouais, grave. Lance-roquettes, ça me chauffe. Alors. Par contre, ah putain, Théro, forcément, il s'est mis à poil. Oh là là. C'est genre le con de la bande. Ah, forcément, putain. Forcément, ce débile s'est mis à poil. Ah, le con. Ok, il y a deux RPG là. Alors, s'il te plaît. Ah non, il y a le RPG. Je sais le... pas si vous avez vu ce que je vous avais écrit, mais votre mort là, j'ai regardé. J'ai le stream de toute façon à côté depuis tout à l'heure. Il y a un hélico qui s'est fait péter au-dessus de vous et le. Les munitions des RPG sont un peu buggées encore, c'est un peu chelou. Donc c'est possible que vous soyez okay. Mort parce que le radius de l'explosion est trop gros, enfin bref, aux F quoi. Alors. Recharge-moi cette merde, oh putain. Oh, ça fonctionne. Oh putain, oh ça va être après, trop bien. Tu vois, tu peux monter ici et quelqu'un roule et toi t'es à l'arrière, tu peux tirer, tu peux faire des fuck, tu fais ce que tu veux quoi. Tiens, prends mes chaussures. Merci beaucoup. Attends, comment il a fait lui? Terrassi, tu fais chauffeur, non? C'est plus simple. Okay. Hein. Vas-y, moi je serais le mec qui fait les roquettes. Et Terrassi, il sait vachement nous, bien conduire. On passe devant et vous nous faites exploser. Avec grand plaisir, mec. Mais au pire, allez, on devrait plus aller vers Electro parce qu'il y a des arbres là-bas. Attends, ouais, on va partir dans l'autre sens. Ça va être un tel plaisir d'exploser son putain de bus. Tiens, je t'ai mis des roquettes. Hein. Ouais, merci. Oh, tiens, c'est. Ah merde, tu peux pas mettre sur ton dos. Au pire, c'est pas grave, hein. J'ai un peu de place là pour deux. C'est bien. Okay. Alors, par contre, j'ai pas encore conduit de bagnole avec les vitesses et tout. Je saigne? Ah bon? Attends. Non? Hop. Ah si, je saigne, ils ont raison, les gens. Je saigne. Tu peux leur demander des bandages. Il y a Terracide qui saigne, vous auriez quelques bandages. Ici. Ah merci. C'est super. Putain, j'ai tellement peur de mes clics. Je me sens pas bien. Fais gaffe. Je me sens vraiment pas bien. Il est possible, moi je vous conseille, Terracide, de laisser. Vraiment pas mal de distance. Link il a 3 roquettes de toute façon. Parce que comme j'ai dit, le radius, enfin les roquettes quoi, c'est pas final, c'est pas poliché. Ok. Ouais, il est chelou ton boss. Je voulais juste faire ça. Mec, il a pas de micro, mais par contre. Tu as passé les vitesses, t'es racide ou pas? Non, justement, je vais pas passer les vitesses. Ah, et eux. Ah, et eux. On va voir. Ça va bien alors, se passer. Première. Tra, qu'est-ce que c'est stylé là derrière là. Ouais. Ils nous suivent ou pas?
Vous nous suivez? Reviens. Ah. Mais dans l'autre sens. Là, regarde okay. Devant, t'as des armes. Ça va être la merde. Oui, dans l'autre sens. Comment ça dans l'autre sens? Si je suis accroupi quand je tire, je vais pas exploser? Faut mieux que je sois debout, non? Bah, du coup, si. Regarde dans comment tu vas être, là. Ah, ça c'est censé être pas mal, là. Mets-toi debout, parce que tu vas tirer devant, par-dessus, carrément. Attends. Première. Je suis toujours en première, là? C'est marqué, normalement, en bas à gauche. Laisse-toi la distance, Link, sinon vous allez exploser aussi. Ouais, laisse bien de la distance, hein, vraiment. N'hésite pas à tirer de loin. Ouais, ouais, ok, mais genre quel genre de distance? C'est moi qui l'évaluerai, hein, tant pis pour vous. Et où est-ce que tu vois les vitesses premières et tout? Genre là, je sais pas combien je suis. Ah si! Du coup, je tire de... R, ok. Du coup, on se met derrière eux. J'ai pas compris ça. Attends, on va leur demander des explications, j'arrive, attends. Est-ce que toi, tu tires de par derrière ou par devant et... Après, peu importe. Mais t'es sûr que t'es assez haut, tu vas pas me tirer dessus? Ouais, non, je te repropose qu'on le fasse de l'arrière plutôt. Tu vas les dépasser. Ok. Tu vas les dépasser. À part si. S'ils tracent et qu'on arrive pas à les dépasser. Oh, il tire! Oh, le chien! Eh, attends, s'il me cherche, moi je vais tirer, hein. J'en ai rien à foutre. C'est bien droit là. Ah, après, ça va être dur de viser, hein. je te cache pas. Je vais essayer de les dépasser. Ouais, je vais faire un dépassement. Je suis un peu rapide là, hein. Oh putain. Allez, connard, allez. Attends un peu, hein. Attends, pas maintenant. Pas maintenant? Putain, j'étais bien là, j'avais une ligne droite. Vas-y. Attends, ça bouge trop. Oh, je me suis fait péter. Ah ouais, il faut une distance de ouf, mec. Pourquoi j'ai pris l'instant de karma? Tu t'es évanoui. Oh, j'ai pris tellement cher. Ah, c'est plus qu'un évanouissement là sur ce coup là. Ah merde. Attends, mais j'ai plus de vie, moi. Tu m'as tué, je crois. Enfin, bizarrement, je suis pas mort, mais... Ouah, je l'ai pris dans la gueule. Pourtant, je pensais être assez loin. Franchement, j'ai attendu. Attends, mais je suis en god mode ou quoi? Parce que techniquement, je suis mort. Ah, j'ai attendu, hein. Mais je sais pas si t'as réussi à les avoir, au final. Ah, si. Si? Si. Par contre, c'était bien stylé, ouais. Mais si tu veux au ralenti sur mon pov, ouais, non, ils prennent dans la gueule. Attends, je vais aller les voir. Et moi aussi après. Mais moi le problème c'est que le bus il disparaît à une certaine distance. Oh oui, je crois que tu l'as eu. Ouais, mais attends, c'est ouf parce que ça t'a explosé toi aussi. Ouais, j'étais loin. On aurait dit qu'en fait c'est comme s'il avait ricoché. Hello. Salut. Tu me cherches? Ah ouais, t'es comme ça. T'es un malade. Mais t'es un malade. Ah. J'ai fait de la boxe au lycée. Ouais, c'est ça, fuit. Oh, je suis tellement blessé. Ouais, t'as de la chance. Ah, il m'a un peu pété là. C'est dur, hein, ils sont forts les joueurs. Ouais, bravo, hein. Beau combat. Ah, beaucoup de talent. Je vous entends tirer là, de l'eau. C'est moi qui tire. Parce que je sais pas où vous êtes. Ah ouais, je sais pas, je suis loin. Bah tu t'entends tirer dans ce cas-là, t'es pas si loin que ça. Non, pas très loin, mais en même temps je sais pas avec quoi tu tires, mais putain. Vous voulez tester le bateau amphibie? Ouais, chaud gros ton, pour finir. Arrête de l'insulter. Il est sympa avec toi depuis tout à l'heure. Ouais, grave chaud, connard. Je suis en véhicule, là, tu m'entends pas arriver? Pas encore. Ouais, on est chaud. Je me rapproche de toi ou je m'éloigne, là? Je sais pas. Ah, je t'entends pas, là. Hmm.
Mais non, mais quel con! Oh, la chance! Attends. Attends, faut me TP. Ouais, je suis au phare. Ah, la petite île. Où... La petite île où il y a le château en face. Mais il faut que tu me TP. Je peux pas bouger en fait, je suis tellement en mode. En train de mourir. Ouais, il va s'en occuper. Et quand il marchera, le lance-roquette, ça va être incroyable. Bah là, il marche, mais c'est juste qu'il a quelques bugs. Ah oui, il marche, mais bon, faut faire ça de loin, quoi, vraiment. Ah ouais, tu vois, Link, le rocket launcher, il est encore un peu bugué. Ouais, ouais, c'est pour ça que vous êtes morte à l'heure. Je trouvais ça raisonnable, la distance, mais ouais. Non, mais c'est marrant. Ouais, non, franchement, normalement, tu mourrais pas. C'était marrant. Waouh. Alors, ce bateau. Oh la vache. Pouah. Vas-y, conduis-le. Ah. Faut sauter sur l'hélice. Faut sauter ici, ouais. Alors on peut rester debout. Pourquoi ça me bloque? Vise bien l'hélice de gauche, Link. T'y es arrivé, toi? Oui, je suis dessus. Mais attends, j'ai un mur. C'est comme un mur, là. Saute un peu avant. Allez, tu peux le faire. Wouh. Il faut l'encourager. Vas-y, conduis. Attends, faut que ça me le propose. Non. C'est qui conduit là, Link ou Théro? Ça va être moi. Ça va être moi. Yes. Ok. Alors. Par contre, fais gaffe au virage. Sinon, on se rend. Ici, Link. Ici, là. Mets-toi à ma place. Je vais me pousser. Et vise comme moi. Voilà, parfait. T'as pas de marche arrière. Et quand tu vas dans l'eau, va bien droit, sinon on va se retourner. Ok. Ok, ok, ok. Tu vois un Titanic devant. Mais c'est quoi ce bordel, putain? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est incroyable. Attention, mise à l'eau. Waouh. Il ressemble à rien du tout. C'est génial. Tout doux, tout doux, tout doux. Oh putain. C'est bon. Ouais. C'est bon, on est dans l'eau. Ouh. Putain, tellement bien. Ah, les mecs, ils ont fait un taf de ouf, hein. C'est trop bien. Putain, t'en rends compte, un véhicule que tu peux ramener sur la route et tout, après tu te barres. Mais oui, surtout que tout ça, Nid, t'es trop chance à traverser. Soit t'avais un bateau que t'avais vraiment, soit tu devais faire ça à la nage pendant 20 minutes. Et les mecs ils peuvent pas te suivre. Si t'es en PVP, tu pars ouais, avec c'est ça. Bien voilà. Ça. Je passe en quatrième, mais ça a pas l'air d'aller beaucoup plus vite. Bon bah, tu verras quand tu seras sur la terre ferme. On va aller là. Ah, y'a un mec qui te vomit dessus avec le vent. Ah, le bâtard. Y'a un truc qui a explosé. Oh, le rocher. Là, t'as pas de marche arrière, donc soit t'arrives à continuer à aller en avant, soit t'es cuit. Ouais, j'ai fait de la merde. Ah, il va casser le bousin. Ah ouais, je crois que t'as pas de problème. Attends, laisse pas regarder le trou, mais je crois que t'es entre deux rochers. Ah, t'as vraiment foutu le truc, vraiment t'as un rocher entre tes deux roues. Putain, c'est le pire truc qui pouvait arriver, c'était vraiment de la merde. Et bah c'était vachement bien, putain. Non, en vrai c'est trop bien, vous rajoutez une marche arrière et c'est le meilleur véhicule du monde. Oh merde. Ah bah ouais, si ça le fait. Quelle chance, si on avait un deuxième juste ici. Trah, trop fort. Vas-y, conduis-le. Faut embarquer juste? Ouais, tu vises le siège plutôt. Ok. Mais ils vont arrêter de vomir à bord de mon véhicule. Donc ouais, là, vous pouvez vous dire que quand le mode sera dispo au public de demain, il y en a un de vous qui conduit, l'autre qui se met à l'arrière sur le véhicule. Chasser tout le monde comme ça.
Incroyable ça. C'est fou. Allez, ça te vomit dans la tête. Casse les couilles. Fais-nous un petit débarquement là. Putain, ce que je voulais faire tout à l'heure. Smooth. Ah oh, putain. Smooth. Il est parti en couille, je sais même pas pourquoi. Ça glisse un peu trop, je crois. Smooth. Smooth. Je croyais vraiment que c'était parfait. Mec, smooth. Je croyais que c'était parfait. À la vache, on aurait dit un quad. Faut pas tourner trop vite avec ce truc là. Wouah, putain. Tout le monde est mort, je pense. Oh, oui. T'es mort toi aussi ou pas? Ouais, je suis dead. Complètement dead. Ok, non, on a que deux à être en vie. Ok. Et ben voilà, c'était pour l'instant la première phase de test de ce nouveau DayZ grâce au modeur. C'était vraiment, vraiment bien. Ça donne vraiment envie de rejouer à DayZ, ils ont fait un super boulot. Merci, bah, déjà, merci énormément à Groton. Hein. À ce Groton. Hein. Merci à ce Groton de merde. Merci pour tout Groton, pour ta disponibilité. Merci aux autres qui nous ont aidés. Merci les modeurs, merci Lubix pour avoir fait découvrir ça. Merci avec Discord. Merci à vous d'avoir regardé et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que vu que les mecs sont très très chauds, ils sont vite à bosser tout le temps dessus là, ouais. Ça peut être que des mises à jour cool. Allez, bonne nuit et à mercredi. Ciao.